Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi soir et nous sommes bien évidemment sur tes eaux en compagnie de Fat Cat et Princesse. Bonsoir. Salut. Salut. Évidemment. Bonne année. Évidemment. Bonne année tout le monde. Bonne année à tous. J'espère que vous profiterez bien de cette année 2022, qu'elle vous sera douce et agréable, bien sûr. Et que dire, bah bonjour aussi aux petits copains sur YouTube. On leur souhaite aussi bonne année. Ça tombe sous le sens, mais également ceux qui regarderont la rediffusion. Bonsoir Potzel, bonsoir Elbarto, comment vous portez? Franck, oui, je reviens de la soirée du Nouvel An et bonne année. Bonne année à vous tous. Merci Shepard, bonne soirée, enfin bonsoir à toi. Alors ça y est, on est groupés, on est groupiens. On est groupiens. Yeah, on est groupiens. Et vous pouvez vous TP. Ah, d'accord. Je me dirigeais nonchalamment vers Princesse. Yop, attends, voyage rapide. Zerkout en cours. Ah, attends, parce qu'il faut que je claque un pare-chausse, moi. Bonsoir Julie, comment vas-tu, ma chérie? Surtout et la... n'oublie pas la chopine de Breda. Ah putain, c'est vrai, la fameuse chopine. Je crois que c'est la chop sans fond. Ouais, c'est ça. Breda. Devrait déjà être de retour. Alors wait, le capitaine Alana c'est a dans... dit qu'il nous retrouverait après une soirée de prière. Exact. Putain, c'est dans quoi? Dans collection. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais je les vois pas. Collection outils. Merci, ouais, c'est ça, c'est outils. Vrai. Et hop, églou, 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 églou. Églou, églou. Ah, j'ai pas de pare-chausse. Attention, hein, quand je dis j'ai pas de pare-chausse d'actif, hein, entendons bien. D'accord. Voilà, c'est activé. Nice. Ira. Parfait. Alors, le plus simple, c'est qu'on essaye de les partager. Je sais pas si ça marche. On va le voir. Il faudrait qu'il y en ait un qui prenne. Bah, Princesse, vas-y, prends. Prends les deux, hein. Et l'autre derrière aussi. Bonsoir Freeman, ouais. Comment vas-tu? Si tu peux tenter de partager. Tout le monde est le bienvenu pour fêter la nouvelle. Voyons voir. Ça marche. Yes. Nice. Les deux? Les deux. Moi j'en ai une, c'est observance de la vieille vie. C'est tout, j'en ai qu'une. Et la. La bringue, tu as pas partagé, je pense. Si, si, j'ai fait les deux, mais. Impossible de partager la bringue. Ah. Il faut que je parle à Breda, c'est ça? Ouais, je pense que c'est parce que tu as. Ah oui, non, non, non. Non, non, ou oui, oui? Non, non. D'accord. Tu vas dans Boutique à Couronne. Attends. Boutique à Couronne, c'est good. Événement. Oui. Tu prends le festival. C'est fait. Et tu lui parles. Et je parle à la madame. Vous venez pour le festival. Bon, j'active. Hein. Bien sûr. Tout le monde fête la nouvelle vie. Voilà, et maintenant? Et maintenant, Julie va essayer de te le partager, ça devrait marcher. Nice, c'est bon. J'ai la bringue à Pierre Croix. Ouais. On fait la première, la bringue d'abord? Ouais, ouais, tant qu'à faire. Elle est Oh, je les connais par cœur. Ouais. Franck, elle est à Betsnik. Ah. Ouais. J'aime pas les Bitnik. Ah. Elle est con. Elle est con celle-là, putain. Ah bon? Elles sont toutes cons. Mais... Pouvez-vous TP si vous savez pas? Ok. Bah comme je dois pas forcément avoir les oratoires dans le secteur, je préfère. Ouais, 2022, c'est tu... C'est la toute petite île. Non, il a... je crois qu'il a pas. Oui, parce qu'il faut d'abord faire Strosenkai pour l'avoir. Ouais. Ah merde, t'as commencé avec une crevaison. Allez, feu. Espérons que ça soit l'unique de 2022, mon bon Freeman. Mais Franck est pas là, si? Du coup, Franck, je le vois pas. J'ai vu tellement sur YouTube, mais j'ai eu envie de quelque chose de nouveau. Et ben, je sais, je reconnais ton pseudo. J'espère que tu vas bien. Oui, oui. J'étais en train de dire du mal de Julie PZ. Bien. Il faut que je fasse plaisir à Falcon.
4. Bonne initiative. Son cadeau de Noël. Mazel tov. qui parle à la madame? Ah non, mais... Ah non, on l'expédie? D'accord. Ah ouais, ouais, il y en a 10 à faire. 10? Ah oui, il y a 10 quêtes à faire. Hein. Ok. C'est fait. Parti. Ramasser un rayon de miel. Soit. Il faut buter des abeilles, je crois. Ouais, mais il y a plus simple. En fait, il y a un rayon de miel... Ah, ça attaque direct ce soir. Et vos bonnes résolutions de ne plus me tourmenter. Hein. On n'a pas fait de bonnes résolutions. Enfin, non, on l'a pas fait. Je crois pas. Non. Ah, abeille. Mais t'as dit qu'il fallait pas les tuer. Ouais, mais c'est. On va au plus simple. Là. Rayon de miel. Ah, le but c'est de la choper. Hein. Et là. Ramasser une viande mystérieuse de Pierre Rock. D'accord. Voilà. Bah, on y retourne, hein. Ça y est. Voilà. Quoi, c'est tout. Ouais. C'est une plaisanterie. Ah non, non, mais c'est que des quêtes super courtes. Hein. C'est. L'event, il est offert. Hein. Elles sont aussi. La pire que le. La pire que je trouve, c'est la pêche. Parce que. Tu peux galérer à. Vu que t'en as 3 à pêcher. Je t'en offrirai de la douceur, ma chère Julie. Mais t'inquiète pas. C'est ça. Vous êtes toujours sur les premières maps. Ce qui m'est arrivé, c'est j'en ai chopé 10 et 8 sur deux différents. Et le troisième, je l'ai looté hyper tard. Juré croisé. Ouais. Sauf que les jours d'après, ben, j'avais pas les pêchés. Oui, oui, c'est ce que je fais. Je garde ce que j'ai en plus dans mon inventaire. Je le fais aussi, ouais. C'est bien ça. Et bonsoir, Mickaël. Hein? Comment vas-tu? Mais je suis là. Je suis encore en train de dire du mal sur Julie. Bon, là, c'est personne ne me croit en fait, c'est ça? C'est toi qui a banni, Franck? Ah, vous revoilà! Non, c'est Bacchus. J'ai presque plus de viande, l'épouse du fou. Ah, faut parler aux trois là ou il faut faire quoi? Ah, non, il faut... Ah, il faut faire. Manger. Ah! Il faut boire, manger, rôter. C'est un délice. Et rôter devant un joueur. Donc je vous propose de se mettre un peu éloigné. Ouais. Et de se rôter à la gueule. Tu es sérieux? Ouais. Voilà. Comme ça, tu fais les deux en même temps. Utiliser une serviette salie, ça veut dire quoi? Vas-y. Est-ce que ça t'a tout validé? Retournez auprès de Beda. Montrez votre satisfaction à notre joueur. Bah non. Ah, ben, non, non. Tu me vises. Je te vise. Et c'est fait. Mais en même temps, c'est une option facultative, donc est-ce que ça avait vraiment un intérêt quelconque? Oui. Oui. Le plaisir de te rôter la face? C'est ça. C'est... Merci. Bonsoir Fireblade, bonsoir Ludovic. Bonsoir Balgor, comment vas-tu? Bonne année tout le monde. Montrer ta satisfaction à notre joueur, c'est un truc où il faut baisser ton pantalon? Non, pas forcément. Un lac de lave, des canards, je te fais pas un dessin. L'autre, ça me met... Bonsoir Jean Bonneau, bonne année également. Ça me fait bonne année la à tous. Bon, je vais bien, merci beaucoup mon cher Balgor. Oh. Trouver un hôtel de la vieille vie à Glenumbry. Mais vous voulez pas qu'on retourne voir Breda? Bah en fait on a une deuxième quête à faire. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est ouais mais ce que je te disais Julie c'est que ça me fait retourner à Estramarch. Moi il y a écrit parler à Petronius Galinus. Ouais, pareil, je crois que il fallait qu'on lui parle nous. Bah j'attends. Ouais j'attends que tu sois TP et comme ça j'arrive. Bonsoir Skyriku, comment vas-tu? Tous mes voeux à toute l'équipe et au chat, bien sûr, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne année. Bonne année. Tu peux te TP. Yap, j'arrive de... suite. Julie, tu devrais te TP sur le prochain. Vu que tu l'as, toi. Ça marche. Oui, mais je ne suis pas comestible. C'est pas vrai. Un être humain est totalement comestible. Faut savoir où couper. Franck? Oui.
Quoi, je suis en mute? Ah, non, il faut que tu TP. Bah, je suis en cours. Ah. Bah, et la fibre alors? C'est ça la fibre? Bah, t'es où? Je nous retrouverai après une soirée de prière, exact? Bah, où t'es? C'est ce qu'elle a là. Dit, mais je les vois pas. Peut-être que le en face de toi. Il faut suivre les points en gros. Mais le HUD, il y a tellement de merde dessus. Non. Qui cache ta prestance d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Allez. Parle au monsieur. C'est mes résolutions pour 2022. C'est vraiment un blablabla, j'en parlerai à ma mère, oui, bien sûr. Voulez-vous emporter la nouvelle année à ta j'arrive. C'est les 20 de la nouvelle année, exactement. Espérons trouver rapidement un hôtel. Et après, c'est voilà, sur Julie. Je m'en occupe, prendre les messages de la vieille vie. On prend ça. Tu choisis un ou le pour toi ou pour les autres. Ça change absolument rien. Ah oui, on s'en fout. D'accord, ok. C'est bon. Et tu TP. Ok. On a non. La même quête, c'est bon. Bah, en fait, tu joues les pigeons voyageurs, quoi. Non. Bah, tu fais quoi à part apporter des trucs, bouffer, boire. Enfin, c'est pas des grosses quêtes, quoi. Ah non, moi ça me met les éboulis. Moi ça me met la. Mais pourquoi je suis allé avec les nombris? Ça a servi à quoi que je vous la partage alors, si on n'a pas la même? Mais attendez, je suis où? Trouver l'hôtel de la vieille vie aux éboulis? Bah ouais, bah vous avez tous les deux aux éboulis. Bon, bah ouais. On va aux éboulis. Bah, ta résolution, c'est de faire le faux derrière avec Falcat? Oui, mais je sais qu'il aime bien ça. Et puis je tiendrai pas deux mois, donc... Comment ça se fait qu'on soit séparés comme ça? C'est bizarre, non? Ouais, enfin, ouais. Pourtant, je voulais partager, ça a marché. Fin... Ouais, c'est pas grave, hein. Celle-là, il y en a plus une pour lui. Bon, tu me dis mon poulet, hein, quand tu arrives. Hein. Ouais, c'est bon. C'est Breda qui en donne plusieurs. D'accord. Bizarre, quand même. Julie, je te trouve en forme en ce premier jour de l'année. Faut-il qu'il y en ait qu'un... Faut-il qu'il y en ait qu'un tour à tour qui prenne et partage des quêtes? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Pour les autres, on va faire ça. De quoi? Parce qu'il y en a d'autres après. Il y en a 10 pour Breda. 10? Ouais. C'est tout du même... ouais, je le sens pas, Falcat. Si, je le sens très bien. Tu sais... Ça passe large. Ouais, mais large... Qu'on fera? Mon cul va pas te dire la même chose. Vu. En cours. Je crois que j'ai le motif de la pierre encore sur ma robe. C'est bon. Allez. On tue personne, je suppose. En passant, juste. Oui. D'accord. Donc si on est dérangé, on tue. Voilà. D'accord. On n'est pas très courtois quand même, hein. En plus, le pire, c'est que c'est des mecs de notre alliance. Oui, bon, bah, on va dire que pour une fois, ça s'appelle ne pas faire dans le détail. T'inquiète, nickel, on va tout faire. Autrache et Martelfel. Ouais. J'aime bien comment ils font. Lorsque vous faites ces quêtes, il faut faire les actions facultatives, plus d'expérience à la fin. Oui, mais c'est ce que j'avais compris. C'est vrai, Guilloumani. Comment vas-tu et bonne année à toi. Bonsoir et meilleurs voeux pour cette 2022 pour Roi. Pour toi et toute ta famille ainsi que le chat. Merci Jean-Christophe, merci à toi. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes. Et je te souhaite une bonne année également. D'habitude tu attends au moins 5 minutes. Tu suis ou... Bah je suis derrière toi, bah oui je suis derrière toi. Mais tu m'entends pas? Non. Bah j'ai plus d'endurance de toute façon. Je vous signale juste que vous me faites attendre. Bah oui mais moi c'est pas moi hein. Tu le sais, hein. Ah oui, mais c'est son ours. Il est lourd du cul, alors forcément, on est obligé d'attendre. Non. Et puis bon, bah moi, tu vois, je suis obligé de rester en arrière-garde, on sait jamais. Ouais, la bonne voie, là. Il est là. Ah oui, mais tu viens de faire tout le tour de la pierre, hein. Ouais, mais
Celui-là, je le connais pas. Ah bah voilà, alors... bah voilà. Tu allumes la bougie, tu écris le mot, tu détruis le truc. Bougie. Okay. Et voilà. Parler à Petronius. Et après tu te TP sur Julie. Mais je peux pas parler avec Petronius, pourquoi? Parce que c'est pas lui, Petronius. Ah. Petronius, c'est celui à qui tu as pris la quête. Oh, à côté fond. De Breda. Donc on te rejoint? Oui. ça rame chez moi. C'est avec le PC qui ramait. Tu parles, moi j'ai travaillé pendant le nouvel an et on m'a même pas offert le repas. Ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment un manque de classe, indéniablement. Je le connais pas, c'est honteux. Tu as pris un sorcier, Franck? Alors ça c'est mon troisième perso, plus exactement, Bar. Celui-ci sera affecté, oui, ça sera effectivement, comme tu peux le voir, magie, DPS, bien sûr. Contente de vous revoir. Votre voyage, viens manger les traditions. Locales. Alors, quand tu parles à Petronius. Non, quand tu parles à Breda, alors, tu fais juste accepter, enfin finir la quête. Oui, ça y est, c'est fait. Tu continues pas la discussion, tu mets partir, parce que c'est Julie qui... Oui, je sais, c'est Julie qui partage. C'est quoi les festivals de la... Oh, recette de bière de Betnik. Oh, classe. Oh. Attends, tu vas en ouvrir plein. Ah bon? Ouais. Ah, je les ouvre pas alors? D'accord. Non. Celui-là, il est bien. L'épreuve de la ruse à 5 griffes? Ouais. Vous êtes où? Ah. Petronius, on peut faire des jeux de mots ou pas? Trop facile. Allons-y. Oui. En fait, Bar, j'ai trois persos. J'ai mon premier, que j'adore, qui est Jarvin, qui est un main tank. Qui est un tank, voilà, pur. Ouais. Le deuxième, c'est une elfe noire, PvE. DPS. DPS, vigueur. Merci, DPS vigueur, PvE. Voilà. Et le dernier, qui sera DPS magie, effectivement. Mais que l'on va tripatouiller, mais pour l'amener vers le PvP, en fait. Julie, t'as crash? Je suis en chargement. Ah, je te voyais plus dans le groupe. C'est intéressant, ça. Pédale plus vite. Et pourtant, j'ai la fibre, hein, maintenant. Ouais, et puis elle est arrivée avant toi. Qui? Julie, nous, on a traversé déjà le pont. Ah bah non, mais moi, moi je lis mon chat, hein. Je suis désolé, alors, hein, Franck, de faire... c'est une course. C'est une course contre la montre. Ah bon? Oui. Contre la montre. Tu as trois coffres là. Ouais. Et il faut crocheter les trois coffres en moins d'une minute. Ah, c'est la merde. Sachant que tu en as un, c'est novice, l'autre c'est apprenti, l'autre c'est avancé. Les gars, c'était partagé? Yes, c'est j'en ai ouvert un. J'ai rien à faire. J'ai rien fait. Bah. Je me suis tourné les pouces. Bah. Qui a ouvert le troisième coffre? Ben, c'est moi j'ai partagé. J'en ai ouvert deux. Ok, moi j'en ai ouvert un. Voilà. Après, tu parles à la madame. C'est fait. Et ça te met retourné auprès de Breda. Ouais. C'est tout? Incroyable. Oui. Question, est-ce que vous avez pris comme résolution d'arrêter la mauvaise foi? Quelle mauvaise non, foi? Jamais. Mais non, toi tu vas exploser, c'est comme Jaco. Jaco, j'ai peur qu'un jour il en meure réellement, tu vois. Je crois c'est parce que c'est un vampire. Il a des yeux rouges. Non, il fait une conjonctivite. C'est un vampire. c'est un vampire. En fait, c'est un... C'est un vampire. C'est un... Comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. On s'en fout, c'est pas grave. Ouais, je vais pas le mot. Elle est toujours coupable quand elle dit qu'elle a rien fait. Et vous pouvez vous TP, retourner auprès de Breda. C'est bon, Falcat râle encore plus que d'habitude. Ah bon? Moi je trouve pas allez, constant. Allez Franck, allez. Non, tu vois. Non, au contraire, si je l'entendais par exemple genre dire c'est vachement bien, qu'est-ce que tu fais, ah c'est brillant, tu vois. Là, je m'inquiéterais. Là, je serais pas loin de faire une syncope. Voilà. Mais non, là, il est constant, je trouve ça logique, on est sur quelque chose d'assez classique, de normal, voilà. Qu'est-ce que Toumir, les traditions de la vie. Mais tu m'as dit qu'on devait faire 10 quêtes. Et ensuite ouais. Oui. L'event est terminé au bout des 10 quêtes? Ouais. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Ah d'accord. Faire tous les jours.
Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui. J'ai bien oui, la petite interrogation. Oui, non, c'est très très intéressant. Ah oui. La banque de guilde est remplie de motifs. La tricherie en groupe, l'ouverture des coffres. C'est pas de la tricherie, si le jeu te le permet, c'est pas de la triche. Vous pouvez vous TP hein, si vous voulez. En cours. Et là, le but du jeu, ça va être envoyer des boules de boue à des personnes. Sur les PNJ. Moi, je vise que les joueurs. Des boules de boue? Ouais. Et comment tu fais ça? Tu vises un joueur, ou un mec, tu évites les gardes, parce que sinon tu feras une amende. Oh. Ouais, ouais. Ah, mais c'est partagé, les enfants. Ah, bah parfait. Oui. Allez, hop, dégage. Ah bah, asperger l'ambassadeur du domaine. Viens, suis, t'inquiète. D'accord. T'inquiète, bébé, suis. Voyageur, vous auriez un instant. Oh, elle me fatigue, elle, à chaque fois qu'on passe. Voyageur, vous auriez un instant. Non, j'ai autre chose à glander. Ah non, mister, c'est l'inverse que j'allais dire. La banque de guide est remplie, et c'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup de turnover. Donc ça veut dire que les objets qu'on met chacun, ils parlent sur le chat du jeu. Ah, d'accord. Oui, d'accord, parce que j'étais en train de me dire, je l'ai pas vu sur la chatroom. Je vous attends, il y a 3 mecs à asperger, on s'en prend un chacun. Je suis... On n'a pas le temps d'attendre. C'est pas drôle. Bah, en fait, techniquement, on a tous pris un. Je crois. Non, c'est pas je crois, parce que j'ai vu qu'il y en avait un d'asperger, toi je t'ai vu viser ailleurs, et bah j'ai visé la dernière, celle qui était tout à droite. Bah c'est parfait ça. Et donc je disais à Mister que c'était pas un problème, au contraire. Ça permet à tout le monde d'avoir tous les motifs, et pourquoi pas en fin d'année de les vendre pour ajouter... Ah, Mister vient de nous croiser. Jeter des boules de boue, c'est fun. Quel fun, n'est-ce pas? Ah oui, mais il y a pire. Hein. Tous les joueurs en blanc, je peux pas m'en empêcher. Vous pouvez vous TP. Wouhou! Maman, je vole. Allez, on court. Moi, la PNJ qui me fait rire à l'entrée d'une grande ville, c'est la ville de Longsanglot. Quand tu passes par l'entrée, t'as une PNJ et la meuf elle te dit halte, vous devez passer par moi avant de pénétrer dans Longsanglot, et toi tu lui passes à côté, tu rentres quand même. Et tu t'en bats complètement la rade. Surtout que moi la première fois quand je l'ai croisée, elle me dit halte, je me suis arrêté, elle commence à blablater, je suis non mais je vais pas la faire la quête, tu sais, je me suis dit je vais passer, même pour rien à foutre. Ah oui, rien à foutre. Merveille, la nouvelle vie. Comme l'orque qui te dit. Oui, qu'ils ont besoin de toi, etc. etc. Ouais. On a besoin de vous. Ouais. Bah, va te gratter. Bergam. Mais c'est les mêmes à chaque fois, tous les jours? Oui, oui. Ouais. J'aime bien, oui. En voulant dire, on l'a fait, c'est bon. Là, c'est une course pour allumer des... Ça change des boules de neige de Final Fantasy XIV. Je suis obligé de te faire confiance. Oh, c'est chez moi. Enfin, pardon, ben non, je suis un orque. Saloperie de rouge garde. C'est ça. Ah bah oui, mais je suis obligé de me coller au perso, moi aussi. C'est compliqué dans ma tête après. Hein. Ah là là, le RP. Oh, c'est ça. Allons allumer des flambeaux chez ces torcheurs de derche. C'est ça. Alors le plus simple, c'est si c'est partagé, de prendre chacun son côté. Yop. Vous seriez plus en sécurité dans le désert qu'à Bergam. Faut parler à quelqu'un, non, au début. Ouais. Ouais, parler au Bata. Bonsoir Sephiroth, comment vas-tu? Bonsoir à toi, Fantorax. J'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour le follow. Mais un groupe s'est pété. Hein. Ah ouais? J'avoue. Oh ouf. Ah bah oui. C'est bon, partagé, Bah oui, c'est partagé, ouais. Hop là, alors attendez, il faut plier l'affaire avec... Vous êtes inconnu, votre... Blabla. Allumez le fanal. Ouais. Alors, moi, je prends le fanal qui est au nord, ça vous va? Ah. D'accord, pas le fanal au nord. Si, vas-y, prends-le. Ah, d'accord. Je te laisse le premier.
le fanal qui est au nord. D'accord, il faut aller sur le toit. Commencez. Le seigneur de guerre approche. Parfait. Ok. En cours. Zergwood pour le nord. Il manque le sud. Vite, rejoignez-moi. Allez, le seigneur de guerre se prépare à frapper. C'est bon ? Oui. Faut reparler à la dame. Ouais. Et une fois les fanaux, il y allons. Exactement. Malheureusement, la matière. C'est fait. C'est tout ? C'est tout. Oh, ok. Ah, mais que je lui dis que c'est gratuit. L'event d'Halloween était, était plus sympa. C'est vrai. Je trouvais qu'elle était vraiment récréative. Sauf le boss. Celui que je vous avais montré, je vous avais dit ouais, non, mais tout seul. Ah ouais, non, le boss tout seul, tu le fais pas. Ouais, non, mais attends. Déjà à 4, c'est compliqué. Déjà, on a eu un peu plus de mal quand on était tous les 3. Merci, mais non, merci, quoi. Alors. Je vais vous taper. Ça roule. Question, comment se nomme le set qui crée une aura de glace en parade? D'ailleurs, on dit un ou une aura. J'ai jamais su une aura, je suppose. Oh, alors là. Très je dirais question. Une. Moi aussi, sans perdre une dent, je pense une. Après, un set qui te crée une aura de glace en parade. Après, il y a un sort qui te permet de faire un rempart de glace. Le plus simple, c'est d'aller sur Ezo AS, AZ. AZ, ouais. Et essayer de les. Tu regardes sur Ezo AZ, ouais. De tête, ça me parle pas. Ah ouais. Je ne suis héros de. Oui, level 45. GG. Oui, c'est bien. Allez, guide d'avant. Mais attendez, vous m'avez pas partagé la quête, les enfants? Ah si, ça y est. Oui, oui, mais c'était le temps que je prenne le level, ma puce. Ah oui, mais nous, on n'attend pas, là. Hein. Ah oui, non, mais ça, je sais, hein, j'avais compris, hein, on n'est pas là pour coller des gommettes, hein, ça va. Plus vite on finit, plus vite on ira casser la gueule. Tu vas sur... Tu veux pas aller sur l'autre ville, Julie? Parce que si c'est partagé, autant speeder au max. Tu as raison. Alors, attends, j'arrive, Falca, ça. Non, moi je te laisse aller. Je te laisse suivre. Chris. Je te laisse suivre le truc. Qui? Quoi? Où? Ben là, tu dois aller danser dans une taverne. Tu vas danser dans ta taverne. Mais je suis avec toi là. Non, non, mais là, tu suis l'objectif. Je vais à Carébène, moi. Ouais, ouais, ouais. Tu veux que j'aille danser à l'auberge du guet d'avant? Ouais. D'accord. C'est. D'accord. Non, non, je veux bien aller danser, y a pas de souci. Et nous on va aller chacun un autre. Toi tu déclenches, moi je déclenche, Julie déclenche et après déclenche le deuxième, moi je me TP et on est chez Breda. D'accord, bah écoute, là pour le moment je suis à l'auberge du guet. Bah danse. Bah attends, deux minutes. Utiliser une torche éblouissante. D'accord. Oui, 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 vas-y. Que puis-je faire pour vous, étranger? Attends, parce qu'il m'a parlé, ce con. Voilà, je suis en train de danser. Tu vas voir que ce sera la seule qui sera pas partagée. Non, ils vont pas faire ça. Oh putain. Alors? Non. Non. Oh non, putain. Oh non. Alors? Ils n'ont pas partagé? Est-ce que toi, ça t'a mis un autre objectif? Bah danser dans la taverne du poisson puant au guet d'avant. Ah putain. Étape optionnelle, danser avec d'autres joueurs dans une taverne des éboulis. Voilà, c'est tout. Ils l'ont pas partagé. Yes. Vas-y, vas-y, continue. Ok. Alors je dois aller... C'est un combat. Bien... Qui c'est que je vois courir? C'est Falcat. Excellent. Alors moi je dois aller au poisson puant. D'accord. Alors, le poisson puant, c'est naze. Bah, en fait, on pourrait se retrouver à une auberge pour essayer de faire l'étape optionnelle, danser avec d'autres joueurs. Ah, mais moi, je l'ai fait, hein. Ah bon? Ah oui, oui, moi, j'attends qu'il y ait un joueur qui rentre et je danse devant la porte, comme ça raccourcit le truc. Ouais.
Bon, mais on sait que les danses... On n'y est pas, quoi. Non, c'est pas partagé. Parce qu'il y en aura une autre où il faudra faire des danses. Ou non, les trucs avec les couteaux, je sais pas quoi. Sur les trois francs, on sera serré les fesses. Ouais. Ouais, non, ça va bien se passer. Ah, t'attends le joueur. Hop. Hop. Et voilà, ça y est. Danser à la flasque d'ébène. Elle est où la flasque d'ébène dans tout ce merdier? Je vais me TP. Pourquoi c'est pas... C'est... Ah merde, c'est pas le même endroit? Non, c'est pas la même ville. Ah putain, j'ai pas l'oratoire. Ouais, je vais me TP. Ouais, je sais, mais c'est rageant. Et Macarena, il doit serrer les fesses. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui va faire des choses avec des cookies? Non, c'est parce que si on doit lancer des lames... Bon. Regardez, j'ai des chaussettes propres. Bon, au moins c'est rigolo. On doit reconnaître au moins ça. Tu me dis hein, quand il est, Falcat? Ouais, dans 2 minutes. Yep. Tu peux TP. Yep. En cours. Mais c'est vachement bien de refaire ça tous les jours. C'est original et rafraîchissant. On a exactement 300 niveaux d'écart. Genre exactement. Bonsoir, ouais, j'ai comment vas-tu? Et meilleurs vœux également. Meilleurs vœux. J'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes. C'est des... Oui. Allez. Bah, je suis en cours, je suis juste derrière toi. Hé hey, collègue, vous avez un moment? Une tâche urgente vous attend. Là, le but du jeu, c'est tu passes la porte, tu danses. Mais non, bah attends qu'on soit tous les trois, que ce soit rigolo au moins. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Juste on passe à la porte. Ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, au milieu de la danse, tu valides l'objectif. Ah. Et mais attendez, coup, il y a écrit rejoignez la fête au sous-sol. Oui. Camarade, ah oui, il y a un mot. Oui. No brain. Quoi? No brain. Pourquoi? Parce qu'il faut pas réfléchir. Trouver l'observation. Et confiance, crois en nous. Ah bah non, mais j'ai confiance, moi, je suis. Oh là là, moi je suis pas pénible. Hein. Oui, hop là, hey. Tu danses si bien, Falcat. Ouais. on est un brin ridicule quand même. Je voudrais pas dire. C'est le but, hein. D'accord. C'est bien pour des aventuriers. Imagine si on s'était mis bien alignés tous les trois. Oh, ça aurait été magique. Invoque la bizarre au-dessus de vous pendant que vous bloquez qui inflige. Attends. Vous êtes où? Ouais. Je vous laisse vous TP pendant que je. Je me suis éclaté tout seul, confiné chez moi sans ma femme et ma fille. Ah, t'es qu'à contact. Putain. Ah, l'emmerdement. J'ai hâte que tout ceci soit passé, quoi. Ouais, ça marche. Il reste 3 ans. Allez, courage. Serrons tous tes fesses. Invoque un blizzard autour de vous pendant que vous bloquez, qui inflige 496 dégâts de givre toutes les 1 seconde aux ennemis à moins de 6 mètres. Cet effet s'adapte à votre santé maximale. Votre blizzard, 15% de chance d'infliger glacé aux ennemis blessés. Ouais, ça me parle aussi. Hein. Ça me parle. Ouais, mais le problème, c'est que c'est... Le capitaine ça me parle. On a déjà rendu la quête, Franck. Oui, mais c'est pas ça. C'est que je suis en train de réfléchir à ce que marquait Fantorax. Parce que c'est pas la première fois que je lis ça. L'observateur glacial. Vous sentez là? Alors vous, ça me réserve. C'est bon. Tu peux partager. Ça marche. C'est pas celle que tu as. Profondeur de Malatar. Voilà, c'est là qu'on l'a. Ah ouais, bien joué. Ah, donc. De gratte. Ah, c'est très con celui-là aussi. Oh putain, il y a tellement de glandus là devant l'oratoire. Non mais ne te tracasse pas, Franck. Tu te TP sur un de nous deux, on les connaît par cœur. Mais en plus, je vais subodorer que je n'ai pas l'oratoire à proximité. Ouais, c'est ça, je n'ai pas l'oratoire. Tu peux te TP. Il est loin celui-là, enfin, les oratoires sont loin. Ouais, ils sont très distants. Va falloir cavaler un peu. Le ridicule, c'est la marque de fabrique de tes lives.
Mais en fait, techniquement, tu sais, c'est rigolo que tu me fasses la réflexion, parce qu'on me le dit souvent quand je me costume ou autre, que je devrais j'ai des gages, ou que je me sens ridicule, ou un truc comme ça. Alors que pas du tout, moi ça me fait marrer en fait. C'est surtout que ça me rappelle l'époque où j'étais aussi étudiant, donc ne croyez pas. Hein. Ah, tu es parti sur l'autre, Julie. Eh oui, je viens de voir, on n'a pas choisi le même. C'est pas grave, hein. Tant pis. Cours, frein, cours. Cours pour ma vie, cours pour de l'argent. Cours, ouais, l'argent va être le leitmotiv, ouais. Ah oui, bon, si c'est du pognon, ça va. Tu m'as filé du pognon. Ah, ça, c'est pas vraiment un leitmotiv, tu vois. Filer du pognon n'est pas un leitmotiv. Fuir pour éviter de donner du pognon, ça, c'est un leitmotiv, tu vois. Ouais, mais là, tu vas donner du pognon. Et pourquoi je vais donner du pognon ? Je ne suis pas le joueur. Je ne suis pas le joueur. Je ne suis pas le joueur. Non, mais c'est pas grave. Mais tu m'as dit, ne suis pas le joueur. Eh oui, oui. Parce qu'il y avait un raccourci, hein. C'est pas grave. Bah pourquoi tu m'as dit de pas te suivre s'il était au bon chemin ? Est-ce que c'est partagé, les gars ? J'y vais. Ah non, mais attendez, je vais vous y aider. Tout ce que vous pourrez nous donner sera utile. Nous devrons nourrir nos pupilles. Vous lui faites une donation ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ouais ? Quelle grâce ! Ouais, c'est partagé. Ah, super. Bah, j'ai fini. Non, attends, tu es. Mais non, tu es les bêtes sauvages. Non, il t'en manque. Ah, non, pardon, oui, non. Et parce que j'ai un petit bug d'affichage. Bah, là, c'est bon. Ah, bah, ça y est, c'est fait ? Ouais, ouais. Parfait ? Bah, carrément, oui. Je propose d'aller à droite, comme ça, Franck, il débloque l'autre oratoire. Ouais, ouais, ouais. Ah, je dis pas non, parce que c'est un peu emmerdant. Mais ça fait surtout de l'XP, hein. Ouais. Ouais. Ah d'ailleurs, puisque vous parlez de costumes, c'est dommage que Patty soit pas là. J'ai trouvé pour celui des 400 subs, parce que j'avais pas prévu que vous alliez jusqu'à 400 subs, donc merci beaucoup pour votre générosité pour le mois de décembre. Il va vous plaire, ça va être très drôle. Ma femme va me poser beaucoup de questions. Mm-hmm. Peut-être trop. On a mis à jour les subs du mois de janvier. Ah oui, c'est vrai, vous avez les subs du mois de janvier. Pour ceux qui ne le savent pas, donc voilà. Vous pouvez vous TP. Non, non, c'est en cours aussi. Ah, on est bien Tintin là. Hein. Combien on en a fait ? J'ai pas compté. Il en reste. Il reste la pêche, les couteaux. Le saut dans l'eau. Alors, vous comprenez, ça me réchauffe. Je dirais qu'il en reste 4. C'est la pêche. Oui, on va pêcher. Ouais. Ça va être rigolo. J'en ai juste un à pêcher, moi. Ça va. Moi aussi. Ouais. Est-ce que c'est la même qu'on a à pêcher ? Je sais pas. Ouais, bah alors, ramasser un aileron informe de bouddhiste, ramasser une censure rampante de fange ombre, ramasser un concombre du marais noir. Par contre, là, je pense que ce n'est pas partagé. Donc, chacun pour son cul, quoi. Ouais, vous pouvez vous TP. Mais ah si bon tu galères, Franck, moi je suis prête à te filer les trucs que j'ai en trop, quoi. Mais il faut pas que je pêche le truc. Non. Tu peux soit pêcher, soit l'acheter. Ah, soit que quelqu'un te le file. Ah, ça peut marcher aussi comme ça, je savais pas. Oh. Ouais, qu'il fallait pêcher. Du moment que tu l'as dans ton inventaire, ça marche. Merci beaucoup, Julie. Merci énormément, tu es généreuse. Merci beaucoup, ma puce. C'est très gentil. Merci énormément. Ah. Oui, je suis là. Bah, j'arrive. Bah, il faut me laisser le temps, hein, dites. Merci beaucoup, Julie. Mais c'est parce qu'elle veut me voir en policier sexy, c'est pour ça. Ah. Tu veux me voir en policier sexy, Falcat ? Le premier remarque pourrait te plaire, potentiellement, je pense. Non, merci. Mais si, le premier... Amusant. Voyons comment vous vous comporterez face à ces... Vous avez besoin d'un appât. Ouais, trou de pêche à nouvelle vie ? N'importe. Ah, n'importe, on s'en fout ? Ah ouais, ouais. Ouais, d'accord. T'es sûr ? Parce que le premier, je me déguise en prêtre. Ah non, c'est pas en prêtre, pardon, c'est live mexicain. Ah mais j'aime pas les mexicains. Bah c'est pas grave parce que j'ai prévu... Ah si, c'est le premier, c'est en prêtre. Je
Oh, concombre du marais noir. Cool. Et en fait, on peut pêcher toujours au même endroit ou on s'en fout, on va ailleurs? Non, au bout d'un moment, il va s'épuiser. Et en fait, il y en a un autre qui va repopper juste à côté ou pas trop loin. D'accord. Nu sous la Toussane. Déjà, je caracole à cru de IRL, alors bon. Putain, je chope que des concombres. Oh, j'ai ramassé une sangsue. Ah bah, il m'en manque un. L'aileron en forme de bouddhiste. Comme quoi. Salut Tedrak, comment vas-tu mon poulet? Et bonne année à toi. Oh, ça n'est conné. Faut que tu aies prévu. Tu as prévu les enfants de cœur ou pas? Parce qu'un costume de prêtre sans les enfants de cœur, ça fait pas très réaliste. Oui, bah là c'est un peu compliqué quoi. Les enfants, c'est toujours un peu. Ah, ok. Bon, bah cassos au prochain trou. Les enfants de cœur, c'est ces modos. J'aime très très fort mes enfants de cœur. Eh oui. Et tes enfants de cœur t'aiment très fort aussi. Oh. Attends, vendredi, on va discuter. Ça me fait un peu mal au cul d'entendre ça. Intéressant. Oh là 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 là. Pourquoi forcément cette partie, Falcat? J'aimerais que tu m'expliques, moi qui suis jeune et innocent. Allez, purée. Oh, parler à cœur tendre, j'ai réussi. Attends. Pourquoi? Ben, parce que Julie, tu les as tous? Ouais, ça y est, il te manque quoi, la sangsue? Ouais, la sangsue. Et ouais, j'en étais sûr, c'est le même qu'on avait en facteur limitant. Mais attends, elle est où, cœur tendre? Elle est de l'autre côté. Non, on va te débloquer. Ouais, faut reprendre l'oratoire. Ouais, faut reprendre l'oratoire. Je vais essayer de te le pêcher. Alors, il lui faut quoi, Falcat? Une sangsue. Allez, je vais essayer de choper la sangsue. Putain, elle a encore un aileron, quoi. T'as vraiment pas de bol, hein. La sangsue, la sangsue. Mais... Oui, je l'ai, Falcat, tiens. GG. Ah bah bien joué. Je sais même pas ce que j'ai chopé. C'est pareil pile. Salut, j'ai 40 piges, comment vas-tu? Bah comme tous les samedis soirs, je suis accompagné de Princesse et Falcat. Bonne année. Merci. À toi. J'aurais préféré un Mexicon, mais bon. Non mais elle est bonne, elle est valide. Je disais quoi tout à l'heure, Tedrak? Mais va-t'en. Non, mais... Julie qui faillote. Résiste, Julie. Ah oui, je n'ai pas l'oratoire, donc je vais attendre. Hop là. Tu peux te TP. Yop. En cours. Les enfants de cœur qu'il aime très fort, et lui qui aime très fort ses enfants de cœur. C'est un peu... Bah quoi? C'est de l'amour, on partage, c'est normal. Alors, je peux retrouver le moment Tedrak et je suis certaine avoir dit que je ne prenais pas parti parce que je les aimais tous les deux. Oh oui, mais Tedrak est un fouteur de merde. Oui. Voilà, c'est complètement. Tout. Mais tu sais, c'est ce que je t'expliquais. Ne pas écouter. Tu vois, moi je fais oui, oui, mais en fait, c'est non, non. Oui, ah bah ça on a compris. Hein? Tes modos ont compris. Oui, mais parce que vous, non mais si je vous écoute, vous, il faudrait que je fasse une pause de un mois. Une semaine, c'est bien. Voilà, c'est fait. Allez. Ouais. Retourne voir Breda. Moi j'aime bien Breda. Je suis triste de l'avoir qu'une fois par an. Ça me. J'aime bien ce qu'elle donne Breda. Ah, c'est sûr qu'elle doit donner. Tu verras. Les récompenses sont pas dégueulasses. C'est pas les récompenses que je veux. Ouais, mais ce sera que des récompenses que tu auras. Allez, merde, laisse-moi tranquille, Falcat. Pourquoi tu détruis les rêves comme ça? C'est pas possible. Tu veux qu'on en parle? Ça vient de ton enfance. Ça va bien se passer. Ça me rappelle... Il y a une preuve. Pardon. Je disais à Tedrak, il y a une preuve. Donc tu ne gagneras pas ce petit jeu. Allez hop, Breda. Comment s'est passé good. Votre voyage? Le festin. Nice. Ils ont en resté un ou deux là. Je sais plus à combien on est. 7 peut-être. Bien deux il en reste. Ouais. Ah, là c'est le plongeon. Ah le plongeon Franck. Ah bon. Et il faut pas se TP. Pardon? Il faut pas se TP, c'est ici. Ah bon? Ouais.
Bah, je vous rejoins. Bah, on peut se taper dans la ville, non? Non, ça sert à rien, tu perds du d'accord. temps. D'accord. Ah ouais. Bon bah, let's go alors. Let's go? Ouais. Ok. On rentre dans la ville qui est au nord. Oui, oui, je viens de voir, je viens de vous voir partir comme des balles. Allez, je vous laisse. Mon dodo m'appelle, des bisous à tous, sauf à Falcat. Ça va, Julie, des gros bisous, mais pas Falcat. Bonne nuit. Bonne nuit, Julie PZ. Non, tu le prononces mal, PZ2. Oh. Attention. FBI, open up. Merci, Julie. Merci beaucoup, ma puce. Hop là. Attention. Je vous attends. Ouais. Et merde. Franck. C'est ce qu'il fallait faire. C'est pas partagé, celui-là. Oh, c'est pas vrai. Je suis tombé à la flotte, ouais. J'ai réussi le truc. Ouais. T'as réussi? Bah, ouais. C'est complètement con. Bien c'est marqué. Trop bien. Attends, Franck. Quoi? Viens ici. Tiens, malus, il faut se réchauffer. Qu'y a-t-il ? Mais on me dit sauter de la galipette de l'ourson dans l'eau. Ah, tu l'avais pas fait alors. Voilà. Et vous êtes où maintenant ? Bah, on est au feu de camp dans l'autre côté. Il faut suivre ta quête. Quelle quête ? Oui. En fait, tu as malus pendant une minute et des brouettes. Ouais. Mais je si vois. Si tu ne vas pas près du feu, ben... Et là, tu perds toutes les secondes, tu perds 10 secondes. Ah, d'accord. Et... Ça y est, c'est si bon, je suis réchauffé. C'est bon, allez. On continue. Avanti. Salut, je peux vous parler un instant. Alors, il faut savoir qu'il y a un succès sur cette quête. Ah. Si tu le fais à poil. Sérieux? Ah. Ouais. T'aurais pas pu le dire au début, non? Non, on l'a fait l'année dernière. Ah, on l'a fait l'année dernière? Non, mais l'année dernière... Je ne m'en souvenais plus. Ok. Hey Franck, tous les deux ensemble. Allez, zoom. T'es prête? Oui. Wouhou. Oui, on. C'est pas grave. La presque bombe. Ensemble. Vous êtes frigorifié. Oui, j'arrive, une seconde. Hop là, merde. C'est sympa les quêtes comme ça, c'est. Ah, c'est gratuit, hein. C'est gratos. C'est bon. Good. Ouais. Voilà, on peut y aller à pied. Ça se tape. Il est à côté. Yep. Et là c'est pareil, là on va sauter d'une cascade, si tu sautes de la cascade juste avant, tu as aussi un succès, mais qui est prévu dans le jeu de base. Ah. Ouais. Oh. Oh. Hmm. Ça veut dire quoi si on saute de la cascade juste avant? La cascade qu'il y a juste avant, tu as une si tu suis le truc, tu as... Il y a une cascade. D'accord. Je suis le cours de la rivière. Ok. Ah là, il faut pas se louper. Hein. Rejoignez-nous tout de ce soir. Venez vous réchauffer les eaux. Et voilà. Ah, fait du bien. Hmm. Et alors, t'arrives pas à te réchauffer, Coco? Et là, par là. Tu débloques l'oratoire. Yep. Et on retourne voir Breda maintenant. C'est ça. C'est en cours. Ah bah, nickel. Et donc là, il reste... Le château d'Alker, à Voix-Tempête. C'est ça. Vous avez l'air en pleine. Je vous... Les traditions locales. Bah. Ah oui, mais moi je l'ai fait aujourd'hui. C'est pour ça. Ah merde. Bon bah, je vous laisse y aller. D'accord, c'est dans le même style? Attends. Oui. Ouais, tu peux la prendre dans la quête.
Ah oui, je la prends. Allez. Ouais, c'est ouais. Le dernier. Blabla, blabla, blabla. Bla. Et maintenant, rejoignez le fort d'Alker. Ok. Ouais. Ah, c'est Rave Trompette. Ouais, mais si ça se trouve, j'ai pas le... C'est gonflant quand même, hein. Bah, c'est normal, hein. Après, il faut... Redébloquer, je sais. Je t'attends. C'est fait. Peu de TP. Wop. On est bien... On est pas bien, là, Tintin? Oh, oui, on est bien. Musicien de la troupe, Bebop. C'est bien. En plus, ça va bien avec ton pseudo, Bebop Slam. Hier. Allez. Oui, dada. Jouer à l'auberge de la vieille brique, jouer avec d'autres joueurs. Les ordres ne l'interdisaient pas, nous le saurions sûrement. Il paraît qu'il y a de l'agitation au village de Keuglin. Je suppose que c'est pas partagé. Mais là. Non mais attends, Falcat, quand on joue en même temps. Bah ben oui, mais il suffit juste de viser un joueur. Mais il faut le faire juste à la sortie de la porte. Tu... Parce que c'est pareil que l'autre. À 3. Je n'en ai aucune idée. Vas-y. 1, 2, 3. On me dit jamais rien de toute façon. Non mais c'est pareil, il faut juste viser un joueur. Ah bon ? C'était juste une question. Oh. Faites de merveilleux saltimbanques, je trouve. Jouer dans la place du sage. Merci. Je vais dire merci parce que... Voilà. Il n'a pas compris. Ouais, je sais pas trop, c'est quoi un saltimbanque ? Ça a un rapport avec l'agriculture, c'est ça ? Enfin, Franck. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, regarde, je joue avec des couteaux. Attention à toi, quand même. Hein. D'habitude, je cuisine. Et après, c'est dedans. Dans la salle du trône du château. Heureusement que c'est vraiment des PNJ, parce qu'un joueur, il verrait ça tous les jours. Je crois que le mec, il pète un plomb. Bonjour. Et hop. Tu joues pour le duc Nathaniel et la duchesse Lacana. Pour info. M'en fous. Je veux du pognon. Tu... qu'on verra bientôt avec Gavark. Puisque c'est la prochaine map qu'on doit faire. Ah ouais ? Eh ouais, depuis le temps. J'ai l'impression que ça fait un an que qu'on a débloqué Havre Tempête et qu'on fait pas les quêtes. Alors, en même temps, c'est un peu difficile de se retrouver, entre guillemets, correctement, tu vois. C'est la faute à Gaillard. Ah ! Oh ! Ce petit bonhomme, c'est Butters. Vous pouvez vous TP. Enfin, tu peux te TP, Franck. Oui, parce que tu vois que je suis en train de courir dans la pampa, c'est ça ? Oui. Je dis, tu peux aller à Vivec si tu veux. Ça marche. Je veux plein d'argent. Je veux de la thune, du pognon, du blé. On va ouvrir les cadeaux ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces cadeaux ? Des motifs artisanaux. Oui. Tu peux avoir des trucs à craft. Ouais. Au fil d'autres motifs artisanaux. Ouais. Tu peux avoir du mobilier, tu peux avoir du matériel. Et des trucs à la con, du genre des épées qui te font faire comme tu viens de faire là, jouer avec, jongler ouais. avec, avaler des épées, t'as des bouts, des bouts, ouais. des bouts de bouts que tu peux lancer aux autres joueurs. Fin... Oh, je veux ça. Moi, je l'ai capitaine. Moi aussi, moi je les détruis. Ouais. Mais non, faut pas les détruire, c'est du récréatif. Non, non, ça bouffe de la place pour elle. Oh, vous avez perdu le sens du festif, hein. C'est dommage, j'ai un abonnement Prime, mais je peux pas te le donner. Bah, t'excuses pas, mec. Faut pas. Mais non. Et là. Oui. Ah, vas-y, je suis. Non, je dis, tu joues avec 2 minutes, et puis c'est drôle 2 minutes, et après c'est bon, tu vois. Ouais. C'est juste ça, quoi. Ouais, vous avez vraiment perdu le sens du festif, mais c'est pas grave, hein. Oh. Ah, recette de bière de Bitnik arrangée 2 fois. Ouais, ça sera pour Jarvin, hein.
Tout ce qui est recette, c'est pour lui. Voilà. Alors, feu de camp, ordinaire, extérieur. Ça, je l'ai vendu, j'en ai vendu un, je sais plus combien. Ça vaut pas mal de thunes. Hein. Ah bon? Ouais, je crois que je l'ai vendu 10 000. Oh, des couteaux jonglables. Oh, de jonglage jetable, oui. En sang d'aconite. Et il y a les commandes aussi. Ah, commande caritative impériale. Ah. Ouais, les commandes. Il faut les recettes. Hein. On va les faire maintenant. Je les connais par cœur. Jaga. Mais t'as débloqué toutes les recettes? Je suis pas sûr moi d'avoir débloqué toutes les recettes. Mais non, mais tu peux les acheter celles-là. Ouais. Oh, lanterne, ah oui. Elfe noir, cendrée, c'est joli ça. Non. Ok. Je crois que dans la banque de guilde, je crois qu'il y en a une. Ok. Du poisson. Il me semble qu'il y en a une de ce qui est demandé. Commande de charité du cœur de l'hiver. J'en ai looté une, mais je la connais déjà. Ça serait pas plus pratique que je le fasse avec mon main, les commandes? Non, non, c'est niveau 1. Ah, c'est sûr? Ouais, ouais. Ah oui, effectivement, j'ai rempli de conneries, quoi. Délicieux. C'est délicieux. Voyons voir ça. Alors, tu as les commandes, tu as les bleus, ouais, et les violettes. Tu prends une violette, une bleue, si tu as. Bah, j'ai chopé une violette et une bleue. Bah, vas-y, vas-y, prends-les. Au lieu de jongler, on n'a pas le temps de jongler. Tu vois, c'est ce que je te disais, tu as perdu le sens du festif. Ah, pardon, j'ai une violette et deux bleus, en fait. Je prends quoi, la violette, alors? Ouais, tu prends une violette et une bleue. Alors, les civils déplacés par la guerre de Troie, les trois étendards ont désespérément besoin de vivre pour s'installer ailleurs en terre. Veuillez fabriquer et livrer votre production de travail du bois à Selvari à Bello. Accepté. Oh. Fabriquer une table ordinaire. Je sais pas, j'ai jamais fabriqué de table, moi. On s'en fout. Alors, en gros, ça te met en grisé. Ça te met là où tu dois le faire. Oui. Et ça te met quoi? Ben, vous n'avez appris aucune de ces recettes. Non. Ça te met pas les forgerons où le vendeur de bois vend ce truc? Comment ça? Non, il y a écrit recette manquante. Ah putain. Sors de l'atelier. Oui, je suis en dehors. En haut là, à droite. Il y a écrit ce diagramme est vendu par des travailleurs du bois. Voilà, donc tu vas avoir... machin truc. Machin. Bah. Je fais acheter et c'est. Alors attends, c'est les tables ordinaires. Et c'est les blanches. Ah putain, c'est travail du bois 2 et 3. Ah non, mais ça doit s'adapter à ton niveau. Mais toi, si, c'est ça. Plante de table ordinaire. Bah c'est ça, c'est ce qu'il m'a demandé. Tu me fais douter. Non, c'est les blanches. Fabriquer une table ordinaire en biais. Ah oui, oui, oui. Alors oui, oui. Bah voilà. Bah, tu m'as fait douter. Bah oui, mais. Table en biais. Voilà, je l'ai. Tu la prends. Ben voilà, acheter. Tu la prends. C'est bon. Voilà. Ensuite, il faut que je la prenne, ça serait quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, je l'ai acheté deux fois, mais c'est pas grave. Je la donnerai à quelqu'un d'autre. Allez. Non, tu la mets dans la banque de guilde. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Bah ça y est, fabriqué. C'est bon. Voilà. Tu skips sur l'autre. Sur l'autre. L'autre quête d'artisanat. Ah, tu veux que je les fasse les trois? Ouais, ouais. D'accord. Charité du cœur de l'hiver. Nanana, nous envoyons de la nourriture des biens. Et nanana, badapounou. D'accord. Et donc, fabriquer une caisse grossière. Bah, c'est du bois encore. Il te le met. Là où c'est. Ah, pardon. Barrel, notre guilde, elle est complètement ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Il suffit que tu rejoignes notre Discord et tout y est expliqué. Oui, et ben, par contre, ça a changé l'organisation. J'ai changé l'organisation. Oui, tu as bien fait d'ailleurs. Caisse grossière riveté. Travailler le bois. Caisse grossière en planche. Rifté. C'est relou, j'ai une des commandes, t'es obligé de la rendre... Ah merde, requiert travail du bois 2. Oh, je peux pas la faire. T'es obligé de la rendre là où il y a Breda. Sinon, tu peux pas le prendre, le niveau 2.
Alors attends, comment on fait pour claquer déjà? Artisanat, bois, c'est où? Travail du bois. Travail du bois, bah si, j'ai des points. Mais tu en mets juste un. Bon, je le récupérerai plus tard. Ouais. Ah, il me met que la table ordinaire. Pourquoi tu veux pas me mettre la caisse, Coco? Il faut que tu skip, il faut que tu cliques en dessous. Ah oui, j'ai le truc. Un jaune. Voilà. Non, attends, parce que je l'avais pas acheté en fait. Hop là, c'est bon. En fait, j'avais acheté, mais bon. Il faut que tu skip, comment ça? Quand tu vas dans l'atelier. Ouais. Quand tu vas dans l'atelier. Ah oui, en d'accord, ça y est, c'est gauche, bon. Tu as les quêtes que tu vas faire. Et il faut que je lui en fasse combien au coco là? Putain, 12? Oui, 12. Oh la vache, ça blague pas, hein. Caisse grossière, 12. Oh, je suis pas d'accord, hein. Ok, c'est bon. Et la dernière? Non, bah attends. Non, mais tu peux pas la faire. De tu quoi peux, tu peux en avoir qu'une d'active, donc tu es obligé de la rendre. Et donc, livrer les fournitures, tu les livres où? Là où tu rends les trucs des ateliers. Ah ouais? Des quêtes d'artisanat déjà. Ok. Et après, il y en a une, comme l'a dit Julie. Bonsoir Joey. Tu es obligé de la rendre juste en dessous de chez Breda, tu as un PNJ. Vlatipa les allers-retours. C'est ça. Et maintenant, il faut qu'on aille voir Breda. Enfin. Ouais, mais là, essaye de prendre l'autre. Wait. Oui, effectivement, je peux la faire. Ah bah, il me demande la même chose. Une caisse grossière, mais cette fois-ci de planches. Bon bah, écoutez, si vous pouvez me montrer dans 2 minutes, j'arrive. Hein. Donc il me faut caisse grossière de planches. Je vais répondre à Mister. Il ne reste plus de commandes caritatives. Je les ai faites. Et ce que j'ai looté dedans, je l'ai mis en banque de guildes. Merde, combien il en faut? 12. Oh les gars, c'est toujours 12, hein. C'est ouais. 12 ou 3. Ouais. Ah ouais, quand même. Voilà, ça c'est fait et on va déposer Tap Toup Napou. Je vais bien et toi? Bon, ça va, écoute. Bonsoir Tanar, comment vas-tu et bonne année à toi. J'espère que tu vas bien. Salut. Bah, j'ai pris un autre level. Voilà, c'est le but. Deka, vous êtes à Estemarche ou pas du tout? Non, pas moi. Je suis un TP, c'est bon. T'y es? Ouais. Je te rejoins. Comme ça, tu vas me montrer à qui il faut rendre ce bazar. Mister, le duramen, tu peux en acheter facilement dans les banques de... dans les marchands de guilde. Très très facilement, c'est pas super cher. Hein. C'est vrai que ces commandes là, ça te bouffe tout ton duramen quoi. C'est ça. Par contre, ça vaut le coup. Ouais. Et le voilà. Ça va bidule le truc. Nous sommes tous. Et voilà. Tu en as plus? Ah, plus. Par contre, je prends mon coin. J'en ai beaucoup moi encore. Tu veux les faire maintenant ou tu veux les faire après? Parce que moi aussi il m'en reste. Je suis en train de speeder donc on peut les faire. Ouais, on va faire un truc à Franck qui est pas Tu vas aller en banque de guide, Franck. Mm-hmm. Et dès que tu vois un truc jaune avec marqué Ajouter à votre collection. Ajouter à votre collection. Ouais. Ben, tu le prends, tu l'ajoutes à ta collection. Ouais. Et tout ce que tu as déjà, tu le remets dans la banque de guide. Ça marche. Une seconde, parce que je suis en train de faire les pages de style que je viens de récupérer. Pour éviter d'avoir des, entre guillemets, des doublons, quoi. Ce serait un petit peu con, sous dit en passant. Ouais, mais après un banque de guide, c'est... Ah oui, non, mais après je les bascule, là n'est pas la question. La question ne se pose même pas. De manière financièrement, ça vaut pas le coup, ouais. Ce genre de plan. Ah ouais? Il y en a trop. Il en donne trop le jeu. Bonsoir Bebop. Comment vas-tu?
Et bonne année à toi. 2022, année PVP. Bah écoute, oui, ça sera une année où on va basculer sur le PVP, oui. Bah, dans l'année, oui, quand même, à un moment donné, oui. On n'a pas parlé du prochain event, on va réfléchir. En fonction des persos, si on pense qu'ils sont prêts ou pas, et on tiendra au courant. Mais il y aura un event milieu du mois, normalement. Oh bah, je t'en prie, Bar. Bah, en tout cas, sache que sur le Discord, tu trouveras forcément des gens avec qui jouer, déjà de base. Comme l'a dit Falcat, tous les mois nous faisons un event de guide parce que bah, bras dessus, bras dessous, c'est quand même plus sympa d'y jouer. Quoi d'autre? Après, si t'as des questions, t'auras toujours une personne pour y répondre. Voilà, c'est pas. On est une guide sociale, hein, c'est pas. Attention aux gros cailloux qui flottent dans le ciel. Alors attends, banque de guide. Genre, tu vois, Falcat, tu lui poses une petite question, il te répond par un pavé c'est de sa mère. Alors attends, t'as vu une page de style. Sylvana, ça se souvient encore. Ah, mais c'est pareil, les boîtes runiques, hein. Comment ça se fait que je peux les rajouter aussi à ma collection? Je fais aussi les boîtes runiques ou pas? Je fais tout. Ouais. Ah, tout, ouais. Tout sauf les plans et les trucs de bouffe. Tout sauf les plans de bouffe, ok. Et les plans pour construire des objets. Parce que avec ce personnage-là, ça vaut pas le coup. Non, mais les objets, je le ferai pas avec lui, donc ça ne pose pas de... entre guillemets de... Enfin, c'est pas une problématique, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce que tu débloques, c'est comme je t'ai montré la dernière fois. Ouais. C'est quand tu vas dans le petit atelier où tu payes pour changer le style de ton armure. Oui. En fait, ça s'ajoute à ta collection et donc tu peux les utiliser. D'accord. Alors attends, je prends pas les diagrammes parce que c'est pas lui qui craft. Alors attends, tu m'as dit les pages de style. Putain, mais la banque de guide, elle est à ras la gueule, quoi. Ah oui, et je la vide tous les jours. Hein. Ah, attends. Motif artisanal 12, les barbares, je l'ai pas. Comment ça se fait? Non, mais c'est pas celle-là. Hein. Ah, pas celle-là? D'accord, on s'en branle. Non, non. Okay. Ouais. C'est les jaunes, on est d'accord. Ouais, les jaunes. Le bâton d'explorateur, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai pas. Ça j'ai pas. À pas. J'ai mon chien qui est en train de s'exciter à côté. Je parle de mon chien in-game, hein, j'ai pas de chien. D'accord. Faut que je rachète du nickel. Bah ça va être nickel tout ça. Bienvenue sur le stream des grosses têtes. Bah c'est tout, il y avait les pages jaunes là que tu m'as dit. Bon, les recettes 9. Falcat, il y a personne qui vend du nickel dans notre banque de guild. Mais non, mais c'est normal. C'est au PNJ que tu l'achètes ça. Ah. N'importe quel PNJ à côté d'un atelier. Oui, pas faux. Hop. Non, dans les boîtes runiques, c'est fait. 15 pièces d'or l'unité. Ah, d'accord, ça on s'en fout. J'en ai acheté 400 aujourd'hui. Eh ben. Ouais, ça part vite. Oui. Non, oui. Bon, bah j'ai lu toutes les pages. Et tout le reste, bah tu le mets. Dans la banque du guide. Ah ouais. Vous m'avez l'air perdu. Banque de guide. Oh my god. Par contre, je préviens, les boules de boue et tout, je garde avec moi. Je partage pas. Ouais, ben, ne les partage pas parce que de toute manière, le jour où il y aura besoin de. D'espace ? D'espace, ben, c'est le premier truc qui partira. Tu feras pas ça. Tu peux pas m'enlever mes boules de boue et de quoi jeter des lames. Par contre, non, les recettes, je les donnerai à Jarvin, hein, celles que j'ai lootées. Oui, bah, ça c'est normal. Hein. Et Jarvin, si il les connaît déjà, eh ben, tu le balances dans la banque de guild. Celle-ci, non, parce que j'ai pas fait le truc de la nouvelle année. Non, mais je veux dire, oui, si oui, tu as... Oui, oui. Oui, ça, ouais, ça, ok. Ok. Je me dis que c'est bon, comme ça je vais retrier. Bah écoute, non, c'est bon. Honnêtement, oui. C'est bon pour moi.
Mais j'ai remis les pages de style, hein, Falcat, donc c'est pour ça. Merci beaucoup, Freeman. Merci pour le Prime, mon poulet. Merci beaucoup. Bonsoir, Nad. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, Avalia. J'espère que vous allez bien. Bonne année à vous. Bonne année, bonne santé, surtout. Je crois que c'est ça qu'on dit. Oui, mais moi, je préférerais une année plus douce et plus agréable. Mais bon, après, c'est convenu, la santé. Donc, c'est pour ça. Je confirme, Falcat est à fond dans les réponses. Comment vas-tu, Sylvana? Bonne année à toi. Freeman, comment tu as fait pour t'abonner avec Prime, s'il te plaît? J'y arrive pas. Tu as une case à cocher à côté de l'abonnement normal. Maintenant, Freeman sert de panneau à indicateur. Oh my god, le surfeur d'argent. Et là, quand tu vas dans tes collections, tu dois avoir des points d'interrogation de partout. Oui. Enfin, des points d'exclamation partout. Oh, une alors... capuche colovienne à filigrane. My. Alors, celui du... des commandes, c'est... C'est le style de Skull, de l'explorateur de Skull. Il est tout en bas, c'est ce qu'on appelle une signature. Attends, pas dans les chapeaux, on est dans les déguisements, c'est ça? Non. Ah non, toi tu parles de autre chose, mais parce que j'ai looté plein d'autres trucs en fait. Style d'armure. Attends, ouais, si tu veux que j'aille dans style de tenue, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ouais, j'ai vu que c'était Skull, et alors? C'est une signature qu'on appelle. Chapeau d'explorateur de Skull. Oh. Bah c'est une capuche en fait. Oui. C'est un set spécial. C'est ni lourd, ni moyen, ni léger. C'est un truc spécial. Et après, les autres que tu as, celui qui a un nom d'Oemar. Oui. En fait, tu le lootes. Si par exemple tu chopes la tête, ouais. Tu le chopes en léger, en moyen et en lourd. Ah d'accord. Par contre, j'aime bien les bras d'explorateur, je trouve que c'est joli. L'explorateur est sympa, ouais. Tu sais, il y a un côté, je sais pas, bah justement, exploration. Spalière nordique taillé, oh, sympa. J'ai pas fini mes commandes encore. Non mais, fais tes commandes, on est pas aux pièces non plus. Hein. J'en avais 3000 tonnes. Ah mais merci, j'ai aussi des styles d'armure. T'as une belle tête, Francky. Merci, c'est gentil. Malgré que je dors 2 heures par nuit, c'est cool. Tuez-moi, s'il vous plaît. Comment vas-tu, Vera? J'espère que t'as passé de bonnes fêtes. Est-ce que tu as la normalement, niveau 45, tu as la quête de... Des indomptables. Indomptables. Ouais. Oui, je valide. Bloqués. Et alors? Là, on va y aller. Que Julie finisse. Non, je veux pas faire les donjons, oh, Falcat. Ouais, ah bon? Pas le choix. Mais on est entre nous. Ouais, non, mais entre nous, ça va. J'ai pas envie de le faire avec des randoms. Non, entre nous. Parce qu'il pue du cul. Non, je suis pas... Non, oh, pardon? Asocial? Tu te rends compte le nombre de donjons à la con que j'ai fait avec des débiles? Parce qu'ils associent un tank à « je suis increvable », alors qu'il n'y a pas un mec pour faire un DPS ou un healer correct. Mais le healer, il n'a pas pour but de te heal à toi. Non, mais pas moi. Mais enfin, quand tu heals pas les DPS, à un moment donné, tu sens bien qu'il va y avoir une couille, non? Ça s'appelle un faux heal. Bouclier d'Oemer. Oh, classe. Tu peux te TP, Franck. Bah oui, mais je regarde, c'est joli. Moi, j'ai une autre histoire par rapport au tank. J'ai fait mon donjon journalier avec mon perso tank aujourd'hui. Ouais. Et bah, tout le monde s'en battait les couilles que j'étais tank. Tout le monde me passait devant, tout le monde. Aggro avant moi. Enfin, ils s'en battaient les couilles, quoi. Oh mon dieu. Est-ce que vous savez ce que je viens de looter? Non. Un lièvre. Eh oui, oh. le lièvre blanc. Le lièvre poudré, Falcat. Oh mon dieu, mon elfette noire va... Non, elle va garder son tigre. Oh, ça va être l'orque. Il doit avoir un civé lui aussi. Bon, je regarderai plus tard. Allez. Falcat, havre tempête, voyage. Journée classique pour un tank. Bah. C'est vrai, Siegfried? Ah oui, oui. Ah oui, totalement. Totalement. Bien, bien, et toi, bien arrosé en tout cas. Il est temps d'investir dans le Perrier Citron. Non, moi j'ai du citrate de bétaïne, mais c'est pas à cause de l'alcool, j'ai pas l'habitude de manger gras. Non, en plus c'est vrai. Princesse peut le confirmer d'ailleurs. Les donjons aléatoires, oui. Avec des randoms, toujours un plaisir.
Ouais, c'est comme se faire fouiller la prostate, c'est délicieux. Falcat ? Ouais. Je ne peux pas me TP sur toi. Quoi ? Bah, je ne sais pas, ça bloque à un moment donné le chargement. Une seconde, est-ce que ça passe ? C'est bon, ça passe. J'ai eu deux blocages. Ouais, je pense. Journée classique pour un tank en somme. Ouais, mais c'est casse-bombe. Allez, c'est parti. Comme ça, je vais voir s'il n'y a pas. Hey, salut Yosh, comment vas-tu ? Bonne année. Un vétéran ? Non, si non, on a un groupe, on peut faire un vétéran ? Non. Ah non. Je suis tank. À trois, un vétéran ? T'inquiète, moi aussi, de base, je suis tank, je sais ce que c'est. Donjon ou champ de bataille, c'est devenu n'importe quoi. Bon, bah alors, un vétéran, mais bah le meilleur DPS de Tamriel et la meilleure healeuse de Tamriel, tu vois. Il y a 13 fuseaux. Je veux que vous... Voilà, reprenez les trésors de la famille, voilà. Il y a 13 fuseaux, qui est faisable. Je laisse la quête activée, un sac des feux, des freux, écarlate, anglais, numbri, je le ferai. Enfin, dès que j'aurai la possibilité, je le ferai. Ouais, mais là, t'as juste à leur parler et tu vas prendre... presque level. Bah non, sac des freux. Voilà, je suis allé parler à l'orc qui est là-bas. Et c'est tout. Faut que tu... Attends. Bah non, tu dois parler au donneur de quête. Ah, attends. Tu dois t'enregistrer sur le livre. Oui, attends. Je sais pourquoi. Voilà. Voilà, signer le volume des indomptables. Je l'ai. Voilà. Voilà, il y a mon nom. Maintenant, on parle avec Brismiche. Nous sommes fiers de nos effets. C'est un coup. Glirion est un l'histoire. Blabla. Ok, j'ai fini. Tu peux te TP sur nom, je passe au 13 fuseaux à 3. Attendez 2 minutes, hein, je finis de parler avec ces gens-là. Présentez-vous à Urgarlag. Voilà. Vous venez pour discuter ? Et non, Tanar. Malheureusement, oui. C'est moi la meilleure idée de Tamriel. Désolé, c'est une réalité, c'est comme ça. Salut, l'avorton. Tout le monde sait que c'est moi. Vous feriez mieux de rester à l'écart. Si, si. Ah, oui. Non. Votre armure est cabossée. On n'a jamais eu la preuve. Hein. Et voilà, c'est fait. Vu que c'est lié au DPS, si tu veux, on fera un concours de DPS le jour. J'ai arrêté les champs de bataille vu que la compétence de charge ou le saut de dragon sont activés une fois sur 3. Non, le meilleur healer de Tezo, c'est moi, en toute modestie. On réglera ça sur le champ de bataille en sirodil. Ça marche. Et maintenant, mage Alraga. Franck. Oui, pardon. Tu veux qu'on prenne son serment, c'est ça ? La dernière fois que nous avons... Ouais. Tonnerre de Zeus de... Quel stig là ? 13 fuseaux. Voilà, c'est bon. 13 fuseaux, 2, hein. Ouais. Non, mais je précise. Salut à toi, Josver, comment vas-tu ? Et bonne année. Qu'est-ce qu'on fait ? On a ta Julie. Et tu prends ta bouffe. Prends. Oui, j'ai entendu. Wait, s'il te plaît. Ne t'énerve pas, respire, tout va bien se passer. La rouge garde. Ouais, c'est good. Fais le malin avec ton perso de merde. Il contre il, je prends mon béton templar. Bonne année, ouais. Ouais, espérons qu'elle soit bonne, oui. J'ai également un Breton Templier, donc là-dessus, nous sommes d'égal à égal. C'est vrai. J'aime bien Falcat, oui, c'est juste. C'est vrai. Oh merde, on est en vétéran, putain. Ne venez pas. ne venez pas. Ah là là. Quand tu veux, Tanar. Par contre, Franck, tu peux te rapprocher de... Ah non, mais tu as raison. C'est toi qui as raison. Reste là où tu es. Oui. Sachant que j'ai une grosse flemme. Ah, je me pose là.
Oh, les couleurs, elles piquent les yeux. Quelle couleur? Le gars, là. T'es niveau champion combien, Tanar? Par curiosité. C'est pour savoir si, si elle va prendre une grosse fessée ou une petite fessée, ou tu vas recevoir la fessée. C'est ça. 1005. Ah! Ah, y a un moyen. Y a moyen. Y a moyen de moyenner. Y a moyen. Ouais. Tanar. Deux pièces d'or et on passe l'éponge. D'accord, laisse la petite. Je peux pas t'offrir plus parce que j'ai pas plus. Vous pouvez vous TP, c'est bon. Allez. T'as le droit de lui donner l'heure, c'est bon. Alors. On se TP sur Princesse. Ouais. Quel bonheur. J'adore les donjons. C'est une activité que je me régale. Bon, avec vous, hein, parce que... Oh, il y avait les random. Non, j'en peux plus, quoi. Je sais qu'il va falloir le refaire, mais rien que d'y penser, j'ai déjà mal au ventre. Tu as la quête ou quoi, là? Oui. Mais, Alors, je discute avec lui. Blablabla. Bla, bla, bla. Ma grand-mère avait trois chats. C'est bon. Ouais. On n'a pas de tank, donc... C'est vrai, on n'a pas de tank. Et alors? Ben, tu pour tous. Allumez ça. Mais alors, je vois pas où est le dieu pour tous. Il y a un coffre. Ben, il va falloir envoyer un peu. En cours. Intermédiaire. Oui, mais en cours. Eh, hey, je finissais. Ben, mais... Oh, le mec, pire qu'un crochon truffier. Là. Il faudrait le perso principal. Je vois tous les coffres. J'imagine, tu sais, comme Limote, le mec, il est en train de regarder le coffre en voulant dire là. Tu me fais peur, Falcat. Calme-toi. Ouais, je sais. Pourquoi il s'énerve, le monsieur? Bah, parce qu'on nous défonce. Ça s'est bien passé, non? Coffre. Mais, Franck, oui. Donc là, t'avais l'aggro. C'est toi qui as lancé ton ulti. Oui. Mais, tu l'as sorti du cercle. Du coup, après. J'ai c'est sorti dommage. Du cercle? Oui, non, ouais, mais c'est pas de ma faute parce que j'ai considéré que... Enfin, il a pris. Bah, t'as reculé. Bah, ouais, carrément, ouais. Parce qu'il a pris l'aggro et j'ai été inquiet, quoi, en fait. Ouais, mais faut justement, faut que tu restes dans le cercle. Faut que tu restes dans le cercle pour faire plus de DPS. Sinon, c'est comme si tu lançais ton ulti pour rien, c'est dommage. Bah, ouais, mais bon, j'ai un peu paniqué, tu sais. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des persos un peu plus, quand même, un peu plus velus, tu vois. Genre, on peut me taper dessus sans mourir. Oui. Tu sais, on a des fois ces petites habitudes de pas vouloir mourir. Hein. Oui, c'est pas faux. Par là, c'est Meryl. Par contre, je garde secret mon stuff. Je pensais que t'as raison, garde le secret. Hein. Ils sont arrivés de nuit. Nous ne pouvions coffre. Ah non, pardon. Où est Atava? Tu vas me la faire en moi? J'avoue que c'était récréatif dans ma tête. Atava. Où es-tu? Oh là là, arrête de parler, Kenji. Regardez la taille de cette chose. Oh, regardez sa taille. Oh my god, sa taille. Il est tellement gros et puissant. C'est pas trop mal passé aussi, hein. Eh, 33% de DPS.
33%. Vous pensez qu'ils savent quoi ils ont à faire? Sinon, la leçon sera cuisante. Bonjour. Respecte-moi. Respecte. C'est vrai quoi, j'aurais apprécié qu'il te respecte. Hein. Je sais pas pourquoi, juste pour. Voilà, on en discute quoi. Décidément, j'ai le live qui saute avec le code erreur 3000. Ah, il faut que tu refreshes. Oui, Praxine. La chuchoteuse n'est plus. Non. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ben oui, mais c'est comme ça, écoute. Cartman, c'est ça. Tout est fini, Praxine. Vous pouvez vous reposer. Chef, ne nous écoute pas. Vous n'êtes pas réel. Vous êtes une de ces illusions. C'est long, hein. Je ne vous laisserai pas nous arrêter. Ouais. Ça va attaquer derrière. Pourquoi les choses ne sont-elles. Oui, mais ça n'empêche pas que c'est long. Ah oui. Bonjour, monsieur. Maintenant, voyez-vous, ça va attaquer derrière, bordel de chiottes. Une seconde. Voilà, ça tape plus bien derrière. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'y sais bien jouer. Qui, à moi ou... Ah ouais, bon, les araignées, tu les as bien... C'est gentil. Bah, c'est normal. Je suis pas habitué. Non. Ne le refais plus. Oh. Quand même. Falca, au secours. Ouais, ouais. Ouf. Je ne veux plus que vous voyez. Sortez d'ici. On est beau, Franck, tous les deux, là, lever notre bâton. Bah écoute, oui, en même temps, ça fonctionne, alors on va pas se plaindre à lever notre bâton, tu vois. Ouais. Encore ? Ouais, ouais. Je sentais désespéré, Falcat. Bah non, mais c'est parce que j'ai la vigueur qui commence à baisser un peu. Ah bah moi je suis un peu short magie, hein, donc à chaque fois je suis obligé de taper lourd. Princesse, recule. J'ai eu peur pour ta vie pendant quelques secondes. J'avoue. GG. Ouais, cool. Y a pas de loot. Ouais. Si, par terre. Si, j'en ai eu moi. Mais si, non, moi aussi. Là, ici. Il y a quelqu'un de vivant ici. Ah ouais, ça y est. Ah, tu vois, tu m'as fait peur, Falcat. Ah ouais, mais t'es pas visible. Allez, flexion, piquet de bâton, extension. C'est ça. Bon, c'est tout un boulot, hein. Bon, finalement, ça se passe pas trop mal. Ah oui, mais c'est très fusé aussi, hein. C'est pas non plus. Hein. Oui, mais écoute. On est que deux ennemis, hein. Mais non. Non, non. Très fusé, c'est level. Combien le 2 30. Ouais, pas loin. Le boss, s'il vous plaît, merci. C'est moi ou il dormait par terre? Ah ouais, il dormait par terre. Hein. D'accord, donc c'est pas une vue de l'esprit, on est d'accord. Ouais.
Ok. Merci Barrel, merci beaucoup. Merci pour le prix, merci pour ton soutien. Oui, apparemment. T'as finalement réussi. C'est très gentil, merci beaucoup. Est mort. Voilà. Ça ne fait pas ma satisfaction de voir tous ces gens morts. T'es pas très RP là, je trouve. Si, les orques sont des gens raffinés. C'est ça. Nous avons obtenu tellement de guerres. Je préférerais éviter. Attends, les orques ils aiment la baston. Tu m'enlèveras. Mais pas je suis ça de peut-être la tête. Un orque sensible. Ouais, ça existe. Hein. Tu n'as pas le droit d'être sensible, c'est ça? Non, aussi un nos chouchottes. Ouais, exactement. Nous aussi. Quoi? Ouais, ça va. C'était rigolo. Oui. Ne gueulez pas dans la chatroom. Hein. Surtout ceux qui jouent orc. Hein. C'est bon. J'ai réussi, mon Frodon. Oh. Viens, Sam. Allons jeter l'anneau. Et auxiliairement ta virginité dans le volcan. Oh. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh mon dieu. Oh au bah secours. Excuse-moi hein. C'est un peu ambigu quand même cette relation. Le maître ordonne votre mort. Oui, le maître ordonne votre mort. Est-ce que on est obligé de le croire? Bah. Ça n'empêchera pas de mourir en fait. Son maître il peut ordonner tout ce qu'il veut. Pas crever quoi. Intéressant. Bah c'est bien, c'est la Miri qui tank. Ah, t'es. Bah tu vas où? Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il avait un souci, non? Non, c'est sa phase, normale. Et ouais. Ça dure aussi longtemps? Ouais. Bah, Franck! Mais oui, je l'ai claqué trop tard. Je sais. Non, mais excusez. On a fini le donjon, c'est bon, ils sont tous morts. Voilà. Non, on n'a pas fini. Oui, bah, j'avais le droit de mentir. Oh. Bonne nuit, Mephistos, des gros bisous. Orc, sensible et raffiné, dans la même phrase, c'est impossible. Mais si. Oh. Mais, Maître Falcat, auriez-vous l'amabilité d'expliquer? Oui. Ah oui, c'est pas les orcs de Warhammer. Je vais cuver mon vin dans mon. Ça marche. Réveille-toi. Je suis d'accord avec l'elfe, patron. Il y a une magie très puissante par ici. Tout l'endroit pue l'embuscade. Une embuscade. Une embuscade. On s'y attendait ou pas? Non mais c'était... Je sais. Alors... Allez, à l'attaque. Venez. C'est moi qui tank. Ouais. Trop bien. J'aime bien tanker. Ah, tu vois que c'est cool de tanker. Oui. Je suis une bonne tankeuse. Ah non. Ah bah non, point douté. Ah bah oui, hein. Ah bah. Merci la tankeuse. Bah oui, mais j'ai pas de compétences pour le garder aussi. Par contre, ton perso... sur ton perso PVP, tu peux tanker. Oui. Ce genre de donjon. Faut juste que je rajoute la compétence, ouais, mais ouais. C'est ça. Voilà. Attendez, je rends la quête. Pourquoi? Et une petite épée qu'on n'avait pas. Trop tard. Ça fait plaisir. Il est infecté, vraiment. Ah, bon, la masse. Niveau 47. J'ai le level up. Vie, c'est trop, ouais, trop bien. Prier oui. Ce soir, même tu passes 50. Non. Merci, c'est ce que j'allais dire. Non, même lorsque tu as pris je pense qu'on se dirige doucement et sûrement vers un event. Si le JDR, on ne sera jamais prêt. Si quelqu'un mérite ta clémence,
Comme la dernière fois, ce que t'avais fait. Ouais. Hop, oh, ça vaut le coup que je ralentisse alors. Question. Vu que ça, c'est son perso, PVP, tout ça. Est-ce qu'on n'irait pas essayer de looter son stuff? Ouais, c'est ce qu'on va faire, ouais. Parfait, ça. Ça y est, vous êtes éjecté? Ah bah oui, hein. Ah non, c'était une vraie question, hein. Il n'y avait pas de question piège. Par contre, j'avais du stuff sur moi, si ça vous intéresse. Même si on l'a déjà fait maintes fois. Moi j'ai tout, il n'y a que les armes qui... Vous êtes un peu essoufflé, on dirait. Qui me manquent, mais... Je suis... Prenez votre clé. Je vais regarder, en général, mais... quand il... J'y crois pas trop. Bah, c'est-à-dire qu'on l'a fait tellement... Qu'à un moment c'est donné... Chevalier Cauchemar, j'ai tout. Spédéologue, il manque que les armes. Il manque 5 armes. 5 armes? Ah ouais, non, mais ouais. J'ai pas d'armes. J'ai un anneau. Du non, chevalier non, cauchemar, j'ai... ouais, mais si tu m'as dit que tu avais tout. Après, j'ai prière, spéléologue. Et échelle de prière, il me manque 6 armes. Ah ouais, c'est les armes. C'est... D'accord. Il est pas intéressant. Enfin, si. Il pourrait devenir intéressant. Dans il pourrait être intéressant. Alors, châle de prière, il ne me manque que les armes. Chevalier cauchemar, j'ai absolument tout. Et spéléologue, il ne me manque que les armes. Bon, bah alors, vous les avez. Ok, bah, je vais vendre le matos si ça vous dérange pas. Vas-y. Votre équipement a souffert au fil du... Le donjon pas de rendre la quête. Le donjon d'affreux givre. Pardon. Mais c'est pas ça que je veux faire, bichon. Quel stigla charpente les donjons. Mais les on peut pas obscurs, lui vendre à lui et en rapport... Mais si, magasin. Si la mort oui. Bah ouais, mais je comprends pas, j'ai merdoyé. Hmm. Non, je cherche pas. On va regarder ce qui te manque réellement. Oui. On fait tout, giclé. Ah, je l'ai. Pareil. Ah, j'ai un élément de recherche. Je vais le lancer. Tu as pas fini les recherches? Bah non, parce que je galère à trouver les trucs qui me manquent maintenant. Vu qu'il me manque quasiment rien. Faut acheter. Ouais, mais comme je suis pas dans le rush, je fais ça petit à petit. Elle est pas pressée, la petite, qu'elle te dit. Faut acheter. Oui. Puis, au pire, j'ai tous mes parchemins de recherche à claquer aussi. Oui, ça, oui, par contre. Je suis là. Moi aussi, j'ai une chienne maintenant. De quoi, les parchemins? Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai chopé? Ah, j'ai pas fini, putain. Bon, yes. je m'y attarderai plus tard avec toi, Falcat. Journal. Falcat, je suis à fond au niveau des pierres de transmutation. Très susso. C'est un reroll. Et vous rigolez, mais pour les 13 fuseaux, il me manque 3 armes. Ouais, mais c'est pas intéressant. Non, je sais, mais ça me fait rire, parce que ça prouve qu'on l'a tellement... Ah oui, oui, au bout d'un moment, un an et des brouettes. Donc il faudrait que tu regardes Stygien, Franck, que tu me dises combien il t'en manque. Une seconde, j'étais en train de voir. Donc tu m'as demandé Stygien. Comment tu l'écris? C'est Diver Havreglace. Diver Havreglace. En fait, j'ai pratiquement tout. Ah, bonsoir Cristal, et merci beaucoup pour le raid. Comment vas-tu, ma belle? Et bienvenue à Tivoler, d'ailleurs. Salut. Alors, pour merci le Stygien, en gros, il me manque le collier, l'anneau, la masse, le bâton infernal, le bâton de foudre et le bouclier. Mais sinon, le reste, je l'ai. Donc, ouais, t'as manqué les principaux. C'est-à-dire les bijoux, je suppose. Ouais. Et le deuxième set, c'était quoi? Bonsoir Lyons Banner, bonsoir Mademoiselle Jean, bonsoir Julien. Ah bah non, je t'ai vu tout à l'heure, je suis bête. Bonsoir Meldine, comment vas-tu? Bonsoir Miss Dadou. Et bonne année, c'est vrai, c'est très juste. Bonne année, bonne santé et surtout une année 2022 bien douce. C'est à moi que tu parles justement, c'était pas Mahomer? C'était le Trameur. C'était le Trameur. Ouais. Tramer, Tramer. Comment tu écris?
T-R-A-M-E-U-R. Amalabator. M-E-U-R ? Ouais. Ah oui, qu'on avait rigolé. Oui, oui bah il me manque la robe. Il me manque les jambes. Il me manque la dague, le bouclier, le bâton de foudre, le bâton de glace, l'épée à deux mains, la hache à deux mains et une épée à une main. Voilà, sinon j'ai fait tout le tour. Merci pour vos follow. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup. Coucou Coyote, comment vas-tu? Et bonne année, oui, c'est vrai. Bonsoir Milo Gecko, bonsoir Mikatoy, bonsoir à toi Calceris. Qu'est-ce qu'on se jette? T'es en train de calculer, c'est ça? Ouais. Je connais cette voix. Ah, merci Rock, merci beaucoup pour vos follow, merci pour votre confiance. Et c'est fait alors, Crystal, elles se sont bien passées. Merci pour tout, vous êtes des cœurs. Je reviens, je vais me faire un petit thé. Mais t'as bien raison. C'est de bonne alloi. Question, Falcat. Ouais. Parce que tu dis, pour le Stygien, tu dis, ouais, il te manque les principales, il te manque les bijoux. Bonsoir. Mais moi, je me souviens que l'autre fois, Piti pour le Traveur, on s'était merci justement pour le follow. Embêté à looter les bijoux. Oui, non, mais c'est ce que je réfléchissais, en fait. Non, moi, j'étais okay. Surtout en train de rigoler parce que... On a passé quand même nos premières heures à looter, mais pas le bon set. Et c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. Ah oui, oui, on a bien rigolé. Salut à toi, 67 Max Pack. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow. Et bienvenue à vous et bonne année, bien sûr, si vous arrivez à peine. Tu veux tank, Julie? Tu veux que je prenne mon autre perso? Ouais. Tu veux que je bouge Falcat en perso ou je garde celui-ci? Ah non, tu gardes celui-ci. Ouais. C'est... Oui, l'objectif, les points d'expérience, mais sait-on jamais, je sais pas où tu veux qu'on aille. Ben, Molabator. Ouais, elle est chouette, la musique, tout à fait. Ah, on va refaire ça Bah oui, je sais. En gros, tu veux les bijoux, quoi. Mais non, on les a, le trameur. Sur... Les bijoux sur le trameur, oui, mais sur... Les armes. Ouais. Ça me donnait envie d'y rejouer. Oh, ben, je t'y engage, parce que c'est un vrai plaisir tous les samedis soirs. Le pseudo me parlait, mais je confondais avec le dessinateur de Sin City. Alors, je ne suis pas le dessinateur de Batman. Je suis désolé pour ceux qui l'imaginaient, mais non, pas du tout. Et je ne suis pas non plus psychiatre. Non, mais c'est vrai, il y a un psychiatre qui s'appelle comme moi, donc... tu n'aimes pas non plus les enfants. En fait, trop les enfants. Ça dépend, ils ont quel âge. Merci Joey, merci beaucoup. Bah si c'est les miens, oui ça va, tu vois. Oui mais pas comme ça. Non, pas de cette façon. J'ai été prêtre dans une autre vie, tu le sais. Tu serais plutôt client. Oh. Merci l'image que vous me donnez quoi. Merci Meldine, merci beaucoup pour le follow, merci pour ta confiance. Il dessinait aussi Daredevil, excellent. Oui, je dessine comme un... Comme une merde. Non, comme un enfant de 5 ans. Donc un enfant de 5 ans, pour toi, c'est ça, hein? C'est une merde. Je comprends pourquoi tu n'es pas papa. Je comprends. Les enfants sont formidables. Les enfants, c'est sympa, surtout au congélo. Oui, ça, c'est ce que ça plairait à Véronique Courgeot, ce que tu viens de dire, mon cher Tana. Vous salut, pouvez écoute, Jenny. Ouais, super. Comme ça, Raz pourra pas me l'offrir ce mois-ci. Bien vu de jouer. T'as le nez creux. Tu peux te TP. Vous pouvez vous TP même. Ouais. En cours. Et ça vaut pas le coup de faire les dolmens là-bas? Ben non. On a déjà les bijoux. Ah, les dolmens, c'est vrai, c'est que les bijoux. C'est vrai, autant pour moi. Là, le but du jeu, c'est que tu lootes le plus possible dessus. Des vols bonhommes allumettes. Ouais, t'inquiète, Orion, moi aussi. Je dessine très bien les petites voitures pour les enfants. Ça, par contre, oui. Tu vois le boss au sud-ouest? Ouais. Au sud-ouest. Oui, affirmatif, bonne Grappler's Nest. Ouais, on suit Julie. Attends, Julie n'est pas à monture. Pourquoi pas en monture? Parce que si vous arrivez à choper. Si on chope 5 trucs végétaux, vous prenez 15. 15 trucs végétaux.
Ouais. 15 sauts de volonté. Ouais. Des sauts de volonté, je crois que c'est. Ouais. Ah. Ah. Pas le cas faire. Hein. Non, pas à ce point-là, Coyote. On peut le tuer, ouais. Pas le cas faire. Hein. Oh. Vous êtes affreux. C'est good. On est 48 à 48 du live licorne. Oui, bah 48, j'ai encore du temps. Hein. Je vais pas acheter le costume maintenant, quoi. J'ai déjà un costume à acheter pour les 400. Oh, il va être magnifique. Il va vous plaire. En plus, je vais même pas m'épiler le maillot. Si tu veux, je t'enverrai une photo, Falcat. Oui. Avec ou sans le maillot? Avec. Tais-toi et oh, nage. Oh putain, il a tué. Oh. Mais les joueurs sont en train d'attendre. Ça veut dire qu'il va... Ah oui, il va pas tarder. Y'a de quoi pêcher là-bas, venez. Y'a de quoi tuer, ça. Oh non, moi j'ai la flemme de pêcher. Ah non, c'est de l'eau pure, pardon. J'aime ça, mais bon, voilà quoi. À un moment donné... Bon, bah, je crois qu'on est bon pour attendre. Hein. Ouais. Bon, je vais poser mes miches ici. Franck, y'a un cristal pas loin. Ah, pas con. Attends, dans pas loin, c'est genre pas loin, pas loin, ou pas loin, genre c'est full distance, parce que le temps qu'on revienne, tu peux regarder ta carte et ah oui, il est pas loin, ouais. Bah, c'est pas loin. Oui, mais j'aurais été un argonien, j'aurais nagé plus vite. Ouais, un nageant, je pense que ça va être juste. Hein. On le fera en retour. Revenez, on le fera en retour. On y est, regarde, on y est déjà. Hop, voilà. En coup. Oui, je fais vite, je mine mon cul. Hop. L'orque est raffiné et délicat, mais il a le cul lourd. Ouais, c'est vrai. L'argonien, c'est tellement mieux pour nager. Oui, enfin, on passe pas notre temps dans la flotte non plus. Hein. Argonien, si. C'est bien les argoniens, c'est beau en plus. C'est vrai. Moi, je trouve qu'en sac à main, ils sont très doux. C'est très délicat comme texture. En parlant d'argonien, j'ai vraiment aimé les quêtes, tu sais, où tu les libères de l'esclavage. Ouais, elles sont bien. Ouais. Sauf celle de Soleil... Putain, comment elle s'appelle? Soleil. Tu sais, elle veut monter dans la hiérarchie des elfes noirs, là. Ouais. Putain, comment elle s'appelle? Soleil. Ah, j'ai trouvé qu'elle était, était vraiment... Alors, pénible, non. Ambitieuse, merci. C'est ce qui a coûté finalement tout ce qu'elle avait acquis en fait. Hein. C'est ça. Soleil levant. Non, c'est pas soleil levant, c'est soleil quelque chose, mais je sais plus. Oui, mais si vous libérez les argonins, il va y avoir des pénuries de sacs à main, c'est pas bien. Oui, mais c'est parce que t'as pas vu soleil dans l'ombre. C'est ça, soleil dans ouais, l'ombre. Ouais, soleil dans l'ombre. Merci, Dios Banner. Ah ouais, ouais. Tu sais qu'après le live, je serais parti chercher quand même. Hein. Ah, si j'ai bien aimé, ça montre comment ça dérive vu le milieu où elle évolue. Oui, c'est vrai. Mais elle est... Non, mais la quête est intéressante, attention. Hein. Mais quelque part, ça me fait de la peine pour elle, parce qu'elle perd plus qu'elle n'y gagne, finalement. Et dire qu'ils vont tous crever. Ah bah, joli le défenseur de la cause animale. Coucou Yann, tu vas bien mon poulet? Oh. Salut. On est bien là, hein? Ouais, il y a beaucoup de joueurs. Oui, il va falloir taper vite. Bon, oh, ça va. Il faut taper ça vite. Ça va aller vite. Il y a 1 million... 1 million 8. Farming the ring lead. Bah. Non, là, nous, c'est au dolmen. De quoi? Bah, il y a le joueur qui dit... Laissez-moi deviner, vous farmez... L'anneau? Bah, non, on est là pour la beauté du geste. Ah, ça oui, sinon mon perso est en nécro-argonien. Alors attends, je refuse de laisser mes frères et sœurs finir en sac à main. Tu vas t'entendre avec Pat.
mon précieux. Pour l'argent, bien sûr. Bah, évidemment, Freeman. On le fait pour les points d'expérience et le pognon. Un aventurier qui part juste pour faire joli, c'est pas un aventurier. C'est un paladin. Ouais, ça se vend bien, le trameur. Ah ouais? Ouais, oui. Bon, à savoir. Je vous laisse taper, hein. Ça descend tellement vite. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai looté? Le foudropter. Oh putain de... Rameur. Et je l'ai pas. Putain. Associé. Oh, non mais c'était rigolo. C'était récréatif. C'était... C'est l'âge de bataille en plus. Oh. Moi j'ai chopé l'épée. Tu l'as l'âge de bataille? Tu veux que je regarde? Bah oui. Alors attends, c'est foudropter. La non. Hache de bataille. Non, c'est Trameur. C'est Trameur. Ah pardon. Foudropter. Tu t'en fous? Bah un peu ouais. Alors la hache de bataille. C'est une hache à deux mains, c'est ça? Ou c'est une hache à une main? À deux mains. À deux mains je l'ai pas. Et toi? Mais c'est pas ma faute, c'est la main de la chance, tu comprends? Est-ce que tu veux que je te donne des beignets? Je suppose que ce silence gênant veut dire non. Merci pour la hache de bataille du Trameur. Bonsoir petit chachou, comment vas-tu? Et bonne année à toi également. On t'a déjà dit que cette halo de lumière t'allait bien, Falcat. Ouais. Je peux me TP sur le prochain boss? Merci beaucoup, Curtis. Merci. Vous pouvez vous TP sur moi, j'y suis. Merci. Ah ben, on a pensé au même. Bah non, je t'ai vu TP là, donc je me suis TP là du coup. Oula, et ça déconne hein, au niveau des TP. Hein. Ouais, un peu, ouais. D'accord. Que ce soit pas fou, hein. Non, mais nous on y est déjà, mais. Mais en fait, j'ai mon chien qui a lévitation. Donc c'est pas l'ours. C'est bon. Et du coup, les joueurs sont en lévitation aussi. Un aventurier qui part pour faire joli, c'est l'aide de Nalbuck. Oui, mais elle, on lui pardonne. Elle a, comment dire? Chopin de Breda. Dans 9 minutes? Tu veux qu'on se l'enquille maintenant? Ah, ouais. Non, mais après. Bah, tu me diras, s'il est pas sur zone, le boss, bon, on peut se l'enquiller, hein. Ouais, on va faire ça. Ouais. Il y est. Attends. Ouais. 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 C'est eux, là, non? Ouais, c'est eux. Ouais. Il va nous poser des problèmes. Il est un peu chiant, lui, hein. Ouais. Ce boss. Bah, elle est où? Elle est où? Elle est où? Qui c'est qui a perdu la gros? Mais sauter, elle saute, elle fait je sais pas quoi là. Ah, ma faute moi. Voilà, maintenant tu sais ce que je ressens. Alors, Franck, le pourpoint. Oui. Tu l'as ou pas? L'as-tu? Bah, en même temps, vu ce que j'ai looté, j'ai envie de faire caca à mou, tu vois. Du Trameur? Oui. Bah oui, non. J'aurais préféré le foudropter. Le pourpoint, bah, je le vois pas. Le pourpoint, c'est... Le torse. On est d'accord, c'est la poitrine. Oui. Poitrine, elfe léger, enfin, elfe des bois. Non, je l'ai pas. Et bah voilà. À moi. Alors, vous allez rigoler? Oui. Ouais. J'ai looté encore la hache à deux mains. Ah, bah oui, mais c'est normal, voilà. Parce que tu l'as pas associé. Bah oui. Automatiquement, il te la refourgue. Oui, mais il m'en manque 4. Donc... Tu vois, c'est le karma. Ouais. Ah, ça, le karma était positif avec toi. Ouais. Il était gentil. Merci, Zuli.
Avec plaisir. Il faut que tu les associes à chaque fois, hein, Franck. C'est fait. Non, mais t'inquiète pas, c'est le premier truc que je fais. La Chopine, peut-être. Chopine, et vous pouvez vous TP après. Yop. Attends. Je vais vérifier mon parchemin aussi, par la même occasion. 6 minutes. Oh. Prends un parchemin. Mais tu peux pas en claquer un autre tant qu'il est actif. Oui, ce qui n'est pas de la mauvaise volonté de ma part, hein. Tu en conviendras pour le coup. Ouais. Ça c'est un peu con qu'on puisse pas juste le claquer, tu vois, pour enchaîner en fait. C'est ça. T'es obligé d'avoir ce putain de timer terminé pour pouvoir l'utiliser. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Moi je trouve ça bien parce qu'en fait les parchemins d'expérience c'est tellement précieux que tu peux très bien misclick, tu vois, cliquer dessus sans faire exprès et du coup bah ça te ferait gâcher celui que t'as pas terminé, tu vois ce que je veux dire. D'accord, mais pourquoi t'as pas une fenêtre pop-up à la limite qui te dit vous êtes sûr? Êtes-vous sûr? Oui, c'est tout. Ouais, c'est aussi une idée. Bah, je sais pas, hein, je propose, hein, mais. Oh, je passe à côté de tellement de pognon. Oui, j'ai vu. Mais ça me fait bizarre de devoir passer à côté de ce pognon et de pas le récupérer. Ouais. Moi, ça me fait mal au ventre, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On était obligé de faire preuve d'une telle violence? Oui. D'accord. Déjà parce que c'est des mages. Et pour le plaisir. Alors, va pour le plaisir, parce que c'est des mages, je m'en fous, hein, perso. Ça marche, ça respire, on peut le tuer, c'est bon. Non, non, là, c'est mort, là. C'est des zombies. Oh, j'en ai marre de taper sur des zombies. Trop d'habitude. Il est là. Il le dit même à ceux qui n'aiment pas Joey, car son rôle à lui c'est d'être. Putain, j'ai pas le temps de dire. T'as fini d'être méchant, Yann. Surtout qu'en plus t'es pas un vrai méchant. Voilà qui est inattendu. Recule-toi. Oui, non, mais je vais donner un coup de main pour taper. T'inquiète pas. Tu vois, tu t'inquiètes. Ah. J'ai redouté le pourpoint du trameur parce que je l'avais pas. Le karma a été bon avec moi également. Son rôle à lui, c'est d'être gentil et aimable, tandis que c'est nous, ces modos, qui devront passer pour les méchants. Ainsi, les gens vont se plaindre à lui en pensant que c'est le mec sympa, alors qu'en vrai, c'est sûrement le pire d'entre nous. C'est ça. Quel enfoiré. Tu m'aides pas, Falcat. Et toi, Falcat? Salut. Salut également, ouais. Non, mais c'est bien, hein. Je veux dire, voilà. Bah, next. Hein. Celui d'en dessous. Tu as le TP, Julie? Non, j'ai pas de TP ici. Tu as le TP, Franck? Wait. Le TP pour le prochain boss, j'ai celui qui se trouve à l'oratoire du cours bondissant. Castefoul. Ah, Castefoul, je l'ai. Attends. Je paye mon TP. C'est où? Allez. Allez, je... Attends, parce que je dise pas de conneries. Bah, vas-y, princesse, parce que je vois pas. J'en vois un gris. Elle était partie, je te rassure. Ah, d'accord. C'est bon. L'elfe de Nalbuck a des arguments solides. Ah, ça tu ne sais pas. Pas forcément vrai. L'important c'est d'être aux côtés de celui qui a le pognon. Bah évidemment. Pognon c'est le pouvoir. Est-ce que... C'est vrai. Est-ce que... Non, je me demandais si vous m'aviez entendu. Mais c'est bon. Négatoire. Quand je vous ai dit que c'était bon, que vous pouviez vous TP. Oui, t'inquiète pas, on t'a entendu. Il a besoin de vous, camarade. D'ailleurs, j'ai même répondu en cours. Ah.
du sens harf, j'ai pas entendu, ou ah, je m'en fous. Non, c'est un harf parce que moi j'avais pas entendu. Voilà, non, mais je te taquine. Du coup, je m'inquiétais parce que je vous voyais pas arriver. Non, mais ça, c'est Franck. Ah non? C'est la fibre. C'est vrai qu'en ce moment, il faudrait que j'en mange un peu plus de la fibre. Mauvaise idée. Alors ça, tu vois, c'est no way, je ne saute... Putain de merde. Je vais encore crever, hein. J'ai pris 5% de dégâts, quoi. J'ai pris... Et il y a un corps... 70% de dégâts. Ça te va? J'ai pris 0 de dégâts. Non, non. Bah oui. Franck. Bah ça dépend s'il rate son coup. Je prends la main. Non, mais il ratera pas son coup. Bah, tu sais pas, hein. Il a la tenue du juge écarlate. Oui, mais tu vois pas lui ninja le loot. Mais non. Mais et combien de fois on me l'a fait à moi? Ouais, mais s'ils sont cons les gens. Moi je vais pêcher. Ça sert à rien la pêche. Si. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Putain le noob quoi. Il m'énerve. Ça m'énerve ça. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve. De quoi? Il a pas tout pris, c'est ça? C'est ça. Bah fais voir. Pourquoi il a pas tout pris? Putain, il a pris que ce qui l'intéressait. Pourquoi vous énervez comme ça? Ben parce qu'en fait, ça empêche le pop d'autres coffres. Je sais, mais bon, ça sert à rien de s'exciter. C'est pas bon pour le cœur en plus. C'est des débiles. Hein. Ouais. Mais je sais, mais combien de fois ça nous est arrivé? T'arrives, tu vois un coffre, tu dis « Ah, oh, c'est trop cool !» Il a été ouvert et t'as un objet. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ça se bastonne? Ouais, non, mais c'était pour le plaisir. Ah, d'accord. Pour le pognon. D'accord. Non, mais je respecte, hein, le pognon. Moi, j'aime ça, hein, donc... Ah bah super, un appât usé. Cool. Quel bonheur. Il y a plus de crabes. Quoi? Il y a plus de crabes. Bah ils se sont amusés à tous les buter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a un en face de moi. Oui, je valide. Ouais, mais du loin. Ah bah oui, mais tu demandais... Ah mais oui, mais en même temps... Je me suis gouré d'appât. Ah bah bien. Oui, bon bah ça arrive. Il y a beaucoup de joueurs. Hein. Oui. Ouais. Ah. Pourquoi ça court? Parce qu'il court. Il cherche les crabes, mais il n'y en a plus. Ah bah une chitine de Massa. Il y en a en face. Ouais, le temps qu'il va y aller, on va tuer le boss. Bonsoir Akirus, okay. Comment vas-tu? C'est donc ça, pécho, c'est ça. C'est ça mon cher génie. Bon, bah on va glander ici, hein. Pas le choix. Tu pêches plus avec moi, Franck? Moi, j'ai la flemme de pêcher, je préfère m'asseoir. Oh. Bah oui, mais regarde, je suis devant la grotte, j'attends. Mais ça rapporte pas la pêche. Ah, j'avoue qu'avec tout ce que j'ai pêché, le nombre de caviar que j'ai reçu, bah merci, hein. Mais l'autre jour, tu as gagné 80 000 pièces d'or. Ouais, bah à la sueur de quoi? Du sang qui permet. 3 minutes. Tu vois, c'est pas intéressant, honnêtement, c'est de l'arnaque, hein. Tu as quelque chose contre mes bannes? Tu as un problème avec mes bannes? Viens me le dire en face, mangeur de poutine. Ça rapporte des succès et ça n'a pas de prix. Alors ça, je suis d'accord. Tu vois, par exemple, je pêche uniquement pour avoir les succès. Mais après, pour le reste, honnêtement, c'est pour obtenir du caviar quand tu sais combien il faut en dire. Enfin, moi, j'en ai dépioté, je sais même pas combien. Pour deux misérables caviar, à l'arnaque, hein. Ça rapporte la pêche? Non, comme le dit Akirus, honnêtement, tu le fais pour les succès. Moi, je l'ai fait pour les succès, hein. Enfin, voilà, sans plus. Après, si, tu peux looter du caviar, le caviar ça a un prix, mais bon, vu le temps que tu passes à pêcher pour obtenir un caviar. Pff,
si vous avez des Telvar, c'est le moment de les convertir en un Keijo et de les vendre. Ah, elle est là. Ça, c'est intéressant. Elle est là, elle est là, elle est là. Vous ne ferez pas de mal à ma reine. Il appelle ma chaîne, tout ça, tout ça. Non, je suis court. J'aime bien comment j'ai le corps a glissé. Oh, il est passé sous la mort. Mais y'a pas de loot. J'ai pas de loot. Y'a pas de loot. Attends, c'est quoi cette arnaque-couille? On avait pas eu la même l'autre fois? Si. Je crois que c'était elle, justement, non. Mais j'avoue que j'ai un vieux doute. Je sais qu'on s'était fait enfler la dernière fois, mais alors qui? Ah, si, c'était elle. Ça rapporte plus de voler et tuer les PNJ. C'est vrai. Oui, parce que justement tu vas trouver certains biens que tu peux aller vendre à la guilde des voleurs, mais bon. Les taux de loot des uniques sur les Warboss est affreusement bas. Bah si tu sais, on est en train de chercher les armes pour le set du Trammer et comment dire... Franck, il faut que tu te TP sur les ruines de Yars. Alors, est-ce que tu peux m'indiquer la direction et la zone? Ouest. C'est les deux derniers boss qui manquent. Les ruines d'Ilias. Alors, en termes de... Ah, tu veux dire Ilias Ruin Wayshire, c'est ça? L'oratoire? Oh. Je l'ai pas. Par contre, j'ai celui qui est à côté, c'est-à-dire l'oratoire de Draboul. Alors, on peut y aller à pince, hein. Trop loin. Les armes nommées ou les standards, c'est les Warboss nous qu'on récupère, mon cher. C'est les standards. En fait, tu as des armes et des bijoux nommés. D'accord. Dans le jeu. Mais ça rapporte pas plus. Enfin, ça fait pas plus de dégâts. Hein. C'est juste que c'est nommé. D'accord. Vous pouvez vous TP. Pour le 7. Donc on se prend la quiche. Voilà, tout simplement. Merci, princesse. Pourquoi? Bah, pour... Bah, tu t'es TP, non? Non, c'est Falcat. Eh merde. Bon, bah, bougez pas, parce que je me suis gouré de perso. Voilà. Ah, ok, non, aucune valeur financière, juste pour la collection. Oui, bah, voilà, c'est pour la collection. Et là, oui, non, j'en ai besoin du set, donc... qu'il soit nommé ou pas, on s'en fout. Je le veux. En fait, on monte un bomber... vampire magie. Ouais, forcément, si les vampires. Oui. Forcément magie. Mais... Tu dis? Ouais. Je suis là. Non. Bonjour. J'avais eu de l'équipement de Warboss, c'était pas fou. C'est pas fou. Après, ça dépend le set. Ils ont corrigé ça. Ils ont facilité ça. C'est que maintenant, tu ne lootes que des choses que tu n'as pas. Et ça, je trouve ça cool, tu vois. Ouais. Ça s'évite de te prendre la quiche pendant des plombes. Ah, je vis en train de faire un... poutrer. Ah, je fais... Bosse, quoi. Ouais, on a fait une plante. Ah. Oui, hélas. Hey, bougez-vous un peu. Vous avez du monde à tuer. Hélas. Toi, tu meurs. Ok. Oh putain. Rien du pas tout. De doute. Collier en cuivre. Sont buggés les boss de cette zone quand même, hein.
Ouais, un peu, ouais. J'ai c'est pas de la grosse merde. Oh, on va faire le dernier. Bon, ben, magie, hein. Ça fait pas mal le café. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Sinon, on fait les antres. Non, on va choper. Oh, les antres. Okay. Il y a un sac. Ouais. Je suis dessus. On va faire le dernier et après on va aller à Havre. Glace. Bah, Havre Glace. Ouais, Havre Glace. Ouais. Pour le l'autre. Tu cherches quelque chose de spécifique aussi avec celui-ci ? Eh ben, la même chose que la dernière fois, Franck. La même chose que les autres soirs, Franck. Tenter de conquérir le monde. Ah, je vois que t'as des gens au cul, princesse. Oui. Je me suis fait des copains. Oui, je vois ouais. Ça. Ils étaient un peu collants. Bon, je ne me rappelle plus l'équipement du Minotaure sur la Côte d'Or. Pas dingue. Ouais, il est pas fou. Je refuse de courber les bon, après, il y a tellement de sites qui répertorient les sets que tu peux, entre guillemets, voilà, c'est bien sélectionner, quoi. Plutôt que de partir un petit peu vogue plouf plouf. Ah oui, je me souviens de ce passage. Ouais. Ah, tout le monde est mort. Voilà qui est dérangeant. Ah. J'aime le bruit de la vente. J'aime ce bruit. Plus 60. Ça fait plaisir. Oui. Bah voilà, on n'a pas attendu longtemps. Non. Ah bah. Pour une fois. Dites. Ça jette un froid. Oh, fallait vraiment la faire. Je pose la question, vraiment. J'arrive pas à prendre l'aggro. Ah, ça y est. Peut-être que c'est l'autre joueur qui ouais, les a je pris. Pense, ça, ouais. C'est aussi un tank. C'est un tank aussi. Ouais, ouais. Bon. Allez, hop, au revoir. Bon, eh ben, c'était sympa, j'ai trouvé un glyphe. Non, mais c'est normal. Oui, je sais, le je coffre, sais. Le coffre. Oui, je suis en cours. Les okay. Jambes, Franck. Les putain jambes. De bordel de. Ouais, as-tu mais. Les j'ai... jambes. Je vais te dire ça de suite, ma puce, une seconde. Parce que là, je suis un peu exaspéré. Les jambes, attends. Oui, en pied léger, ouais, je les ai. En pied ? Oui, pied. Comment ça, ah, pied pardon. Léger. Non. Les jambes. Jambes, 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 jambes. Est-ce que je parle français ? Non, non, excuse-moi. Oui, oui, c'est bon, je les ai pas. Et ben je voilà. N'ai pas, il y en a pas, il y en a pas. Tant que Sean. Bite Sean. Ah, moi je vais me compléter le salut. Merci. Bah, t'auras eu deux éléments. Non, trois éléments en plus. C'est pas mal. Et la hache du foudroptère que je viens de goûter. Génial. Quel bonheur. Sur quoi 5 world boss. Oh, mais c'est cool. Ouais. On oui, continue de faire le tour. C'est pas mal. On va. À vos classes. Bonsoir, Dalaise. Quelqu'un a. Du pognon à dépenser. Tu peux montrer tes compétences, Franck. Dis-lui que ça sert à rien que je lui montre mes compétences parce que c'est un reroll et qu'on est en train de le bâtir. Ça l'avancera ouais. Pas. J'ai deux oratoires à Havreglace, dont un qui est près d'un boss. Allez, vas-y, le premier au moins. Ah, je vois lequel c'est. Celui à l'ouest. Le pichet sans fond. Il est à l'est. Le pichet sans fond. Sud-est. Mais tu peux lui expliquer que justement, là pour le moment, on a une ligne à conduire, justement, puisque l'objectif c'est de faire un bomber.
que si ça te dérange pas d'expliquer, Yann, bien sûr. Mais comme je sais que tu es pratiquement bilingue. Parce que, la dernière fois, j'ai dit que t'étais bilingue et c'est limite si tu m'as pas sauté à la gorge. Alors, Franck, il faut que tu fasses un voyage rapide. Sur un voyage. Oui, oui, mais c'est en cours. Sur Julie, hein. Julie, hein. Merci, Yann. Merci, Asklian. Comme ça, au moins, il sait qui est Yann. Parce que, dire. Alors, je suis en je suis avec Julie. Allez, on est parti. Oui. Je comprends même pas en français ce que tu me racontes, Franck. Alors, le traduire, bah, en gros, pour te simplifier la vie, Yann, c'est que, en somme, c'est un reroll. Je veux dire, c'est un petit niveau qu'on est en train de le construire petit à petit pour en faire un bomber, c'est-à-dire un DPS magie, où justement, bah, l'objectif, c'est d'atteindre ce foutu niveau 50 pour ensuite, voilà, un petit peu lui donner, enfin, c'est pas un tout petit peu, lui donner les reliefs. Là, actuellement, on cherche ce qu'on appelle des 7. D'accord. Notamment celui du trameur. Alors, je ne sais pas comment on le traduit. Attends, j'ai des amis. Ok. Et celui du stygien. Voilà. Donc, si tu peux vaguement lui expliquer ce que je viens de te dire. Parce que le pauvre garçon, je pense qu'il ne bite pas un seul mot de français. Mais c'est gentil de sa part, en tout cas. Bienvenue à toi, mon cher Dalès. Dalès, peut-être, je me prononce mal. Bah alors, Falcat ? Bah non, mais ils sont en train de le faire. Bah ouais, certes. C'est toi qui as utilisé la chaîne, princesse ? Non, c'est le... C'est bon. C'est le... D'accord. C'est le random, ouais. C'était un peu relou. Non, c'est pas un random. C'est des vrais joueurs. Bah ouais, c'est un random quand même. Oh là là, et depuis qu'elle a pris du level, comment elle se la raconte ? Bah quoi ? Ouais, enfin regardez, c'est un random. Quoi, il est niveau combien ? Non mais vous rigolez. Attendez, j'essuie ma robe sur son visage. Moi je lui parle pas, moi. Non mais attendez, je parlais pas au Pégu déjà de base, alors t'imagines bien. Merci Siegfried, c'est très gentil. Salut Philou Mars, comment vas-tu ? Nice. Allez, hop. Le gilet, Franck. Alors, je vais te dire ça. Alors, par contre, faut que je bascule une seconde. Donc, c'est le stygien. C'est bon. Je te file le gilet, mais t'as eu la... je t'ai filé la poitrine aussi. Alors, du trameur. Alors, alors j'ai la poitrine. Non, du mais là, stygien. C'est juste pour. C'est juste pour s'il reconstruit. Pour celui-là, c'est ouais, juste s'il reconstruit pour que ça coûte moins cher. Ouais. Une seconde, poulette. Hein. Poulette. Oh. Poulette. Oui, mais dans ma, dans ma bouche, tu sais très bien. C'est stygien que tu me demandes ? Oui. Alors, tu m'as demandé quoi ? Poitrine ? Tu m'as demandé quoi ? Poitrine. Je l'ai. Parfait. Non mais le stygien, il me manque pas grand chose. Bonne année à toi. Mais il me manque pas grand chose sur le stygien. Honnêtement, elle est où la poulette ? Bah elle est avec nous. Qu'est-ce qu'il y a Falcat ? Ceinture compagnon violette. Ah, bah tu vois qu'on s'est pas déplacé pour rien. Ah non. Voilà, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu meurs. Et puis elle sait pertinemment que ce n'est pas dit à mal. Détendez-vous. Ouais, oui. Je le taquine. Parce que d'habitude, c'est plus mon petit canard en sucre, mon petit miel, des trucs comme ça. C'est vrai que la poulette là. Oui, oh, tu ça sais. Faisait. Ça faisait quoi ? Ça faisait un peu comme ça là. Oh, c'est ça ! Oh, la poulette ! Oh ! C'est comme ça que j'appelle ma femme. Bah oui, moi j'appelle ma petite poulette aussi. Hein. Et Julie qui a fait un détour pour rien. Et moi qui l'ai suivi. Non, regarde, on arrive en même temps. On est arrivé à 3 secondes d'écart. Ça va. Moi j'ai pris mon temps, je suis arrivé avec 20 secondes de retard. Mais il y avait de jolies plantes. Pouvez-vous TP ? Vie.
Oui. Salut Avalia. Chicken wing, ouais, peut-être pas non plus. Oh, putain, ça fait longtemps que j'ai pas mangé KFC, c'est vachement bon. Bon, on se fait un Burger King vendredi déjà. Ah, mais je suis déjà Team Burger King, j'adore. Prochaine fois, on se fera un KFC. Si tu veux. Comme ça, je ferai péter mes artères avec toi. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur, je ne sais pas, mais les faire péter, oui. Ah, parce que c'est pas joyeux, tu vois, ça fait chplouk, tu vois. Enfin... Oh, c'est pas gras, c'est du poulet, ça va. Oui, c'est juste du poulet frit. Non mais attends, Falcat, oui. Moi j'ai vu Princesse manger, elle peut manger du poulet frit. Oh, parce que elle va manger qu'un demi-poulet ou un tiers de poulet. Ouais, non, je me doute, hein. Non, non, moi je mange la même quantité qu'elle, je meurs, hein, je te le dis. Hein. Ou le prochain humain que je croise, je le mords. Aïe aïe. Faut taper sur le côté là. Oui. Je suis là. Ah bravo, elle a sauté de plus haut. Cette poulette, ça claque quand même, non. De quel côté tu parles? Je t'avoue que là elle me claque. En fait si tu tapais contre la paroi qui est sur le côté. Juste à côté, ouais, tu. Mais c'est qu'ils sont nombreux les bougres. Mais viens voir. Non mais. Moi il m'a fait peur quand même, princesse. Bah ouais, j'imagine. Je comprends. La masse bénite. Franck. Oui. Le bâton de rétablissement. Bâton infernal, bâton de foudre. Alors est-ce que je l'ai le bâton de rétablissement? Affirmatif, le stygien, bâton de rétablissement, je l'ai. Tu l'as. Je peux donc l'associer. Le dégager. Pas te l'associer, mais ouais, parce que moi j'en ai grave pas besoin, quoi, en fait. Si. Falcat, il a dit que c'était pas une question de merci besoin. Merci pour le follow, Philomars. Coffre. Trésor. Oui, j'aime beaucoup les voleurs. Oh. Ça c'est cool. Tiens, succès, voleur exigeant, d'accord. Oui, parce qu'avec ce perso, ça va être le 3 ou 4ème que tu prends, c'est tout. Il y a un film, La Grande Bouffe. Ah oui. Préparé dans le respect du bien-être animal. Oui. Bah, après, ceci dit, si tu t'intéresses vraiment aux méthodes qui sont utilisés pour l'abattage animal, honnêtement... Tu manges plus. C'est ça. Tu me l'as enlevé sans faire de jeu de mots pourris de la bouche. Ah ouais. Après non, il y a des abattoirs avec des certifications et tout, ils le font correctement, mais bon... Là on n'est pas sur, comment dire, une production type industrielle, tu vois. Ah, KFC... Hein. Ah, avec KFC, ils vont pas regarder, ils sont pas là pour ça. Hein. J'ai lu Joey. Franck, vaut mieux, vaut l'avoir en photo que en pension. Tu rigoles? Elle est vachement économique. Elle bouffe rien. C'est vrai. Je suis économique en bouffe et je suis également économique en alcool. Parce que je ne tiens pas l'alcool, donc il m'en faut pas beaucoup. Je suis tout bénef. Attendez une seconde, je regarde juste un courriel, vite fait, et je suis à vous. Idem, quand tu travailles dans une chocolaterie, tu finis curé. Moi, j'avais travaillé dans les fruits et légumes pendant deux bons mois. J'avais bouffé que des... Oh, cool. Ça va faire plaisir à Yann, ça. Une nouvelle simulation. Falcat, il y a un cristal à côté. Je sais. Et il le trouve très joli, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Non mais on l'aurait fait après. Mais j'ai rien vu. Bah, il est là. Ce qui est fait n'est plus à faire. Hein? Bah merde, au même moment. J'arrive.
Pigeon Simulator ? Non. Ah, Freeman. Si tu savais. C'est un jeu de cow-boy. Alors, c'est que le prologue. Mais faut. Mais j'ai fait la demande parce que, comme ça, ça me permettra d'avoir le jeu dans son entièreté. Chapeau du prisonnier ? J'ai le béni. Béni. J'ai le dernier du béni. Là. L'avant-dernier du béni. Pardon. Il me manque. Il y a des coups de feu chez moi. Normal. Normal, tu vis dans le sud. C'est pour la nouvelle année. Et maintenant, baisse la tête. Bienvenue en Catalogne. Oh, Nina. Cours vite, on te donne 10 secondes. Non, mais tu peur. Il tire en l'air, c'est vrai. Ouais. On va pas encore, ça. 30 minutes, ils ont tiré hier. C'est une simulation d'abattoir, ce c'est... jeu, non ? À la ils calache. Avaient des munitions à cacher. Que j'ai reçu ? Non, oh, non, pas du tout. EVTP. C'est Cowboy... je sais pas trop quoi. Bebop. Non, Cowboy Simulator. Bah, tu sais, ils font des simulateurs de tout. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Peut-être que tu vas être un vrai cowboy, tu vois ? Tu vas pouvoir non, attends, parcourir les plaines, utiliser ton Colt. Quitte à jouer à un jeu de simulation de cow-boy, autant jouer à Red Dead Redemption. Quoi. Ah, c'est pas pareil. Non, si je joue à Red Dead Redemption 2, c'est fini. Je sais que c'est fini. Ouais, si tu veux du streamback, ouais. Bah, je vais pas le faire en online, Falcat. Ah. Bah, non, c'est à moi que tu parles. Tu sais très bien qu'à force de me faire streamhack, dès qu'on me parle de online, j'ai les sphincters qui se serrent. Voilà, toi t'es mort. C'est ça, Freeman. Hein ? Eh oui, en bas, Julie. Bah oui, mais j'avais oublié. J'étais pas sûre. Elle était indécise. Oh oui. Elle aussi, elle a le droit à l'erreur. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir de la difficulté, s'il vous plaît ? Regardez. J'avoue. Eh. Vous êtes quand même insupportable parce qu'à une époque on la jouait pas comme ça. Elle est bien loin cette époque. À une époque c'était du genre ah mon dieu au secours, aidez-moi. Princesse, qu'est-ce que tu fais? Soigne-moi, Franck. Arrête de compter des. Arrête de regarder les fleurs. Voilà, ça donnait ça à peu près. Est-ce que tu pourrais te prendre la croix, s'il te plaît? Merci. Est-ce que tu pourrais tourner ce putain de mob? Je vous donne mon petit coup d'épée, tu vois. Je vais faire ça constamment maintenant. Voilà. Hop, j'ai l'aggro. Hop, oh, j'ai l'aggro. Et hop. Non, il faut que tu comptes. Non, il faut que tu comptes parce que je crois que la compétence c'est 15 secondes. À ouais. 10 ou 12, ah, tu oui. remets un petit coup d'épée. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. J'ai eu le prisonnier. Ça va être génial. Un béni. Moi j'ai des grèves bénies. C'est génial. Bah, du coup, moi j'ai. Il m'en manque deux et après Franck. Mais le Stygien, je l'avais looté essentiellement dans le donjon public. Hein. Oui, mais on va pas refaire le donjon public. Non, parce que ça me fait chier. Mais tu m'avais posé la question. Tu t'interpellais sur le fait d'obtenir le Stygien. Je l'avais obtenu là-bas. Essentiellement. Oui, mais après, c'est normal. Dans un donjon public, si tu as 6 boss. Falcat, j'ai passé 3 jours là-bas. C'est pour ça que j'ai pratiquement les 3 quarts du Stygien. C'est des mauvais souvenirs, tu comprends? Oui, mais. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu as 6 boss, tu as 6 chances de plus d'avoir ce que tu veux. Oui, certes, mais j'ai quand même pleuré. Des larmes de sang. Plusieurs fois. Pouvez-vous te payer ? Tu rigoles, Freeman, vous moquez à chaque fois, mais quand j'en présente une, il y a du monde, hein ? Hein ? Simulateur de Karcher. Je vous le rappelle. Gas Station. Hein ? Eh ouais.
Il était bien celui-là. Bien sûr qu'il est cool. Non, après, il y en a certains, ils sont malaisants quand même. Celui de bateau était bizarre quand même. Celui de bateau, Graveyard, c'est ça ? Je pense qu'il est mal pensé en fait. Ils auraient dû le calculer autrement. Mais bon, après. Ouais. Oh putain, elle est morte. Oh, c'est pas grave. Écoute. Je vais récupérer le livre à côté. Vas-y, vas-y. Prends le Franck aussi. Oui, mais j'avais un livre là, juste à proximité. Oup là. Oup. Je te rejoins, princesse. Il est en haut ou en... Il doit être en contrebas, non ? Il est un peu caché dans les ruines. Oui. Tu l'as trouvé ? Mais positif, il... Ouais, il est bien là. Ouais. On se fait le cristal en même temps ? T'as pas peur que le monstre... Enfin, le mob pop ? Mais y a personne. Y a personne. Ok. Vendu. Même si pop, c'est allez, pas allons-y. Ouf. Mais vous le voulez pour le besoin ou pour la collection ? Ah non, besoin. Besoin, on en a besoin. Non, là, pour la collection, on se serait pas fait chier comme ça. Hein. Le stygien, en fait, c'est une parade, celui qui est recommandé pour les bombes. Parce qu'il te permet d'être... de faire plus de dégâts quand tu sors de la furtivité. Donc quand tu as un lame noire, que tu es par essence furtif, quand tu vas frapper, tu vas faire énormément de dégâts. Et ça fait bobo. Voilà, tu as pratiquement le même en Cyrodiil. Ouais, c'est pour le PVP, ouais. Boss ? Oui, ben on arrive. On est bientôt là. Ouais. Je colle aux fesses de princesse. Ah oui, colle-moi aux fesses. Y a pas grand chose. Bah, Falcat. Quoi ? Je fais tout ça dessus. Franck était pas arrivé. Mais si, j'étais juste derrière toi. Véritablement, en plus. Oh là là, y a un joueur. À lui seul, il allait le démonter en 5 secondes. Oui. Tu sais pas. Bon, c'est ce qu'on dit. Allez, on pousse. Et bah le joueur il est très très con parce qu'il se fout juste devant et il est mort. Pourquoi il sait pas jouer. Il sait pas jouer. Bah, il c'est se pas fout grave. Devant alors qu'il faut se mettre derrière. Mais prisonnier. Le bâton de foudre, Franck. Ah. Bâton de foudre. Je crois que je ne l'ai pas, mais je vais te dire ça. Bâton infernal. Je ne l'ai pas. Bâton de foudre. Matapuna. Ne crie pas. C'est fou, j'ai l'impression de foudre, pardon. Français, si, quoi. En plus, je le sais en plus. Oui, c'est bon, je l'ai pas. Tu ne l'as pas. Non. Ça peut être. Attends. C'est peut-être un nouveau joueur. Non. Sûrement. Non. Bah, ouais, mais. Ah non. CP236. Ce que j'allais te dire, t'es un nouveau joueur, tu sais que les Warboss, tu. En règle générale, t'es nouveau, tu y vas pas seul, ouais, tu vois. Ouais, tu y vas pas du tout. Oui, voilà, sauf si tu vois 2-3 gars déjà sur le boss, bon, tu interviens, quoi, mais. Oui, tu mets ton petit coup pour prendre le butin, quoi. Dis comme ça, ça a l'air tellement vulgaire dans ta bouche. Ouais, je sais. Mais c'est vulgaire. Donc il est juste. Il n'y a pas d'excuse, il était juste un petit peu idiot, quoi. Ouais, je pense. On dit pas idiot, il était légèrement suicidaire, tu vois, c'est différent. Ah ouais, il est mort, c'était pas légèrement, il est mort. Bon, bah, peut-être qu'il kiffe de se faire taper dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y en a des sadomasochistes. Moi, je discute pas avec plaisir. Attendez 2 secondes, hein, je fais le plein. Tu crois que... Oui, je t'écoute, princesse, hein, t'inquiète pas. C'est 1 heure, on récupère. Vous pouvez vous TP. J'ai récupéré, moi, c'est bon. Donc, la remarque de princesse était véridique ? Quelle remarque ? Bah, qu'il était bête. Il était pas bête, il était inexpérimenté, bah, c'est différent. Pourquoi tu prends sa défense ? Je prends pas sa défense. Tu connais pas ce gars ? Mais parce que nous avons été dans leur pompe, il n'y a pas si longtemps que ça.
Non, on était moins con, quand même. Oui. Oui, bon, bah ça va. Ok, il était con, il s'est fait défoncer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, j'espère qu'il en prend, il en tirera une bonne leçon. Voilà. Julie, guilde des guerriers, t'as combien? La guilde que des guerriers. Il est mort avec panache, bah, c'est ça. 5. Allez, on va faire les vampires. Parce qu'en fait, ouais. Oh, parce que moi il m'aggro pas en fait. Ah ? Eh oui. Ah bah. On va vers le boss quand même. Ah non. D'accord. Ouais, d'accord. Non, non, mais elle a décidé de taper sur tout ce qui bougeait. Mais en même temps, tu lui as dit passe devant, tu sais comment elle fonctionne. À côté. C'est le cousin de Modestie. Non, mais. C'est bien, hein, le balayage. Ouais, j'aime bien. Ah. Oh, vite, vite. Oh, il lui reste 10%. Ah, c'est bon, je l'ai eu. J'ai pas eu l'expérience, mais pas le loot. J'ai eu l'expérience, mais pas le loot. Bah, peut-être parce qu'il faudrait mais peut-être c'est de le tuer. Triche. Bah, on va attendre, non? Ouais, on va faire les. On va faire les mobs. Hein. Bah, en attendant, oui, pas le choix. Et après, on fera l'antre à côté, juste à côté. Bonsoir, notre, comment vas-tu? Ok, les histoires de famille. Ah, tu sais ce que c'est. Hein. Ou on peut faire l'antre si vous voulez. Bon, on a qu'à faire l'antre, hein. on aura une chance de looter quelque chose. On revient au boss. Ouais, ouais. Et bonne année d'ailleurs, mon cher notre. S'il y a une pâte. Ouais. Là, libre. Hein. Sac à dos. Sac lourd. Ah oui. Putain, tu as t'as l'œil, hein. Entre les coffres et les sacs lourds. Ah oui. Je sais. Je viens de terminer le boulot. Oh là là. Pff. Bah écoute, souffle bien mon cher notre, prends-toi un truc à boire, des tendax quoi. Donc vous avez une quête ou pas là? Non, négatoire. Pas en visuel là actuellement. Ouais. Bah. Ah c'est parce qu'il les a, il les a attirés, ok. Bon. Ouais, il les a attirés. Bon, c'est bien, ça va faire de l'XP. Facile. Il te dégarrer. Ah, attendez 2 secondes, parchemin. Putain, ils sont où ces parchemins de merde? C'est bon. Bonne soirée, Joey. Des gros bisous et bonne nuit à toi, Skyriku. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, les morts de faim sur l'éclat. Oh oui. T'étais rigolo. Puis. Ah, quête. Oui. Franck, après avoir pris la quête, tu me diras combien tu es bâton de destruction et bâton de souhait. Ça marche. J'ai pris la quête. Alors attends, je te donne ça. Bâton de destruction, je suis à 50 tourons. Et bâton de rétablissement, je suis à 36. Tu passes bâton de rétablissement, s'il te plaît. C'est fait. Voilà. On peut y aller. Ouais, mais je fais carrément pas de dégâts en fait là. Bah oui, mais c'est pas grave, on va les faire pour toi. D'accord. En fait, le bâton de destruction est monté relativement vite, en fait. Ouais. Ah oui, ça monte vite. Hein. Faudra que tu fasses un coup d'œil aussi aux compétences.
Mais je les ai toutes en fait. Il faut juste les update, c'est tout. Ah, ça va. Bah oui. Bah tu m'as dit prends-les toutes et on verra pour les avancer. J'ai eu le prisonnier. Prisonnier aussi. Ah non, ceinture. Attends. Il y a peut-être des coffres autour. Est-ce que j'ai looté quelque chose d'intéressant? Le baudrier du prisonnier, génial. Est-ce que tu as le stygien Oui. La ceinture. Est-ce que j'ai la ceinture? Le baudrier, ouais, je l'ai. Attends, Julie. Je cherche les coffres. Oui, mais s'il y a des mobs. Non, négatoire. Je l'ai déjà, ma poule. Bon. Ah, bon. Tant pis. Tu combats comment dans le jeu? Une souris avec plusieurs boutons? Moi, j'utilise pas tous les boutons de ma souris. Hein. Après, je sais que Falcat, lui, il les a mappés. Donc, oui, ouais. Tu peux. Ouais, moi, c'est souris, ouais. Principalement. Mais oui, je combats avec souris, ouais. Après, je sais que certains utilisent une manette, mais je me sentirais trop gauche d'utiliser une manette. Totalement, pareil. Mais parce que j'ai pas l'habitude. Non, mais après, je respecte, tu vois, parce que t'as des gens qui sont habitués à jouer à la manette. Moi, oui. Moi, je sais que j'ai l'impression, quand je joue à la manette, de jouer avec des moufles, donc... On va par là, non? Vous voulez pas faire les mobs? Il y a... Enfin, ouais, c'est ce que je me disais. Il y a aussi un autre chemin. Ouais, on peut le... Tant qu'à faire. On va par là. Non, on va par là. Ça fait toujours de l'XP de la guide. Et vu. Salut René, comment vas-tu mon garçon? Et bonne année. Salut René. Salut. Bonne année. Et ben voilà, niveau 37 pour le bâton. Ça va vite monter le bâton. Ouais. Par contre, la fois prochaine, je resterai qu'au bâton si ça vous dérange pas. Pas de soucis. Ah bah non, pour l'augmenter, oui. Le boss, oui. Coffre. Bon, il est simple, mais bon, on sait jamais. Je peux pas l'ouvrir. Ah oui, combat. Vas-y. C'est bon. Putain, tu le crois. C'est bon. Et voilà. Du coup, non, ça j'ai eu. Pas tout le temps, coup de génie, pas tout le temps. Ah, je peux plus looter? Ah, je suis plein. Ah bah bien. Ah bah oui, j'y peux rien, écoute. Attends. Vendre. Comme ça, merci Falcat. Vous cherchez pas les armures, hein, ni les armes, ni les bijoux. Hein. Non, juste la merde à vendre. Tu sais, les sacs jaunes, quoi. Ouais. 98 sur 110, ouais, bah écoute, ça fera le café. Est-ce que j'aurais pas des potions à vendre? Genre les potions de poison, les conneries comme ça. Ouais, ça. La journalière aussi, tu peux la détruire. De quoi la journalière? La récompense journalière. Ah bon? Mais c'était des potions à couronne, je vais pas la détruire. Ah, les potions, mais tu en as pas plein? Oh, j'en ai... J'en ai 79. 179, pardon. Non, mais en banque, tu en as pas... Je sais, j'en ai stocké aussi. Ouais, donc... Bon, voilà. Let's go. Non, Jean Bono, c'est toi qui es venu te suicider sur le boss? C'est ça que t'es en train de me dire? C'est moi le temps qui t'es embêté sur les deux worlds de boss. C'est juste pour le fun, t'as le droit de me théo. Ok. Non mais t'as le droit d'avoir des envies suicidaires, hein. C'est humain, hein. Je veux dire, y a pas de soucis, tu sais, on respecte aussi. Hein. C'est pas grave. Hein. C'était drôle. Ah, c'était pas toi qui est venu te suicider. Alors tu parles de celui sur la petite île. Ah bah la Baltor alors.
Pas suicidé, c'est pas moi. Au moins, ça résout le mystère. Ah, d'accord, oui, oui, non. Ah non, non, je crois, non, ouais, non. C'est celui où il y avait un deuxième tank sur le boss où il faut porter le coffre à la fin. Ouais. Bonsoir Véro, ouais, et bonne année à toi. Ah, oui. Bonne année à toi, j'espère que tu vas bien. Non mais t'avais bien l'aggro, hein, Jean Bonneau, t'avais bien l'aggro. Oui, hein. du moment qu'il y en a un qui est aggro, il n'y a pas de soucis, hein, si le boulot est fait. C'est ça. On retourne vite au boss. C'est ça. Il y a des gens, je vois des gens. Oh, c'est bien pop. La pop. Oui, j'ai vu. Ah, bâton de rétablissement du béni. Putain. C'est ça. J'aime bien quand on tourne comme ça et qu'on visite. Je l'ai looté, j'ai looté une dague, mais en violet. Merci beaucoup. La dague du prisonnier. Ouais, la dague du prisonnier en violet. C'est étrange. T'as la dague ? Merci beaucoup pour le prime, ma chère Véro. Merci énormément. Merci pour ton soutien. C'est très gentil. Merci énormément. Je l'ai associé. Désolé. Non, mais... Ah, pardon. Oh. Toi, tu as looté la dague du Stygien, c'est ça que tu dis? Oui. La dague du Stygien? C'était une question pour moi, pour la dague? Oui. Oui, je l'ai. Mais je t'ai dit, j'ai pratiquement... Enfin, il me manque au niveau des armes. Il me manque juste la masse et le bâton de feu. Le reste, eh ben oui, après il me manque le collier, l'anneau et le bouclier, c'est tout. Et il me manque rien sur le Stygien, pratiquement. Hein. C'est bon, alors du coup, je suis perso, je suis à 66 sur 66 sur cette map. Donc ça sera de l'aléatoire, donc... pour la suite. Ça marche en bonheur. On va pas de Théo pour ça, hein. Non, franchement, non. Juste embêter Julie. Oui, non, mais t'inquiète pas, détends-toi. Respire. Ah non, ça, embêter comme ça, c'est pas ah non, grave, alors ouais. Ça, franchement, je te rassure, si on pouvait m'embêter comme ça, ça me va, tu vois. C'est même rigolo, tu vois. Enfin, j'en ai certains qui m'ont réellement. Enfin, déjà sur Tezo, ça nous est assez arrivé rarement, mais sur Star Citizen. Je peux t'assurer que faut être patient hein. Et calme. Bah, c'est vrai. Sur tes le stream qui est chiant, c'est quand t'es en PVP, mais quand t'es en PVE. Merci Aloud. Merci énormément. Bonne année à toi, mon bon ami. Sauf quand on fait exprès de. Non, il y a pas de méga participation. Déjà le. Merci beaucoup. Le boss. Ouais. Merci. Ouais, le boss juste avant, ça nous est arrivé une fois. Ouais, mais ce que je te dis, oui, mais sur tes os, ça reste entre guillemets léger, tu vois. Mais j'ai connu bien pire. Attends, sur Star Citizen, t'es là en train de miner en prospector, le mec sait où tu vas, il se pointe et il te dégomme. Quel est l'intérêt? T'es en prospector, mec. Y a rien à récupérer. Encore, tu vois, j'aurai un KTR. Pouvez-vous TP? Mais c'est en cours. Mais putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es en cours, bordel de chiottes. Vous pouvez vous TP, coffre. En fait, c'est ça, Falcat, quand il te parle, il fait « Bonjour, coffre ». Ça va, ça cloure. On a pensé à la même chose, chérie. Oui. Non, là, par contre, tu aurais pris l'aggro avec un DPS pour mourir comme un caca. Là, oui, on t'en aurait peut-être un peu voulu, mais si t'es dans ton rôle. Bah, le loot, j'écoutais ce que vous vouliez au cas où, mais j'ai pas eu. Bon, t'inquiète pas. C'est très gentil, Jean Bonneau, t'inquiète. Au pire, il balancera de l'or. Oh, bonsoir, ma petite choucroute. Oui, c'est toi, Agnar. Et c'est Vestouz.
le village. Tu vois, j'ai quand même demandé à ma femme. J'étais pas loin, je disais ventouse. Donc Vestouse, ventouse, tu vois. Mais ta retenue, moi je l'avais notée. Je sers à quoi, moi? Tu te prends une assistante, tout ça, pour qu'elle ne te serve pas au final. Je démissionne. Tu veux, voilà, que je te fasse sauter sur mes genoux pour que tu réintègres? Oui. J'ai pas d'argent, Falcat. Je lui fais plaisir comme je peux. D'accord? Donc, c'est gratuit, et toi? On attend le tank, on attend. Ah ouais, elle vérifie pas. J'ai pas regardé la minimap. À quoi sert la minimap? J'étais en train de bouder dans mon coin. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la minimap? Ouais. Ah, il y a des joueurs. On se dépêche alors, ça veut dire go 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 go. Mais go, on tue personne? Si si, on tue des gens. Ah bah j'ai eu peur. Attends, pendant 2 minutes je me suis dit que tu déconnais là. Elle ne refait plus ça, hein. J'ai des gens, mais avant lui. Ah oui, voilà, on est d'accord. C'est ça. On le dépasse et ensuite on tue. Voilà. Ah oui, voilà, on est d'accord sur les principes. Là, vous avez de la cristal. Oui. Pas de mort. Bah surtout, tu donnes pas un coup de main, Coco, hein. J'arrive pas à... J'arrive pas à le looter. J'arrivais pas à le... Ouais. Je pense qu'en fait... J'ai galéré aussi. C'est normal, on était en combat. Ah, d'accord. Mais c'est très gentil. Je sais pas si elle t'a lu, mon cher Ragnar. Tu as Ragnar qui est content que tu te mettes au stream. Ah. Oui. Parce que je... Vous pouvez aller sur Edreda, la chaîne. Et elle stream, effectivement. Alors, après, t'as pas de... C'est pas très gentil de faire ma pub sur la chaîne de Franck, je trouve. Je m'en fous. C'est-à-dire que Falcat n'est pas élevé, et surtout, je préférais attendre un moment bien plus intéressant, mais bon. Et puis, on peut me ban, moi, ça me dérange pas. Menteur. Ça, c'est pas bien de mentir. Je créerai un autre compte. Oui, mais Falcat à l'envers, ça marche pas. Ah non, mais je me fais un peu chaud. Ah, il se tire. Ah bah, niveau 49, ça y est. GG. Eh bah, enfin. Quand je te dis que tu as passé 50 ce soir. Par contre, il faut que tu actives un peu, Franck. Tu es un peu à la traîne. Non, mais le problème, c'est qu'il y avait des mobs derrière. Ah. Et oui. Il y a un coffre juste derrière la pierre tombale. Derrière la pierre tombale? La pierre là où il y a le boss. Ouais. Derrière il y a un coffre. Bah attends, je vais me décaler. Vas-y maintenant. Putain. Là. Ouais. Là. J'y suis. Bien joué. J'ai eu le prisonnier. Botte. Hygiène. C'est bon. Une seconde. Laisse-moi looter le corps. Oh putain. Non, je ne fais pas de Star Citizen. Attends, détruire. Attends, moi je peux plus. Hein. Là, je suis... Oh putain, j'ai looté l'anneau. Ah bah, GG. Bah oui. Oh. Une seconde. Franck, parce que... Oui. Ne détruis pas. Derrière toi. Ah ouais, mais j'en peux plus là je suis oui, chargé comme une mule. Je m'en fous. Bah ça, que tu t'en fous, c'est une chose. Mais je suis lourd, c'est tout. Ouais, mais t'es lourd, tu vides et... Ah non, je fous pas en banque. Ah si. Je ne foutrai pas en banque. Si. Y en a marre, ça fout de la merde partout. Non, tu mets en banque. On est d'accord, Franck, je pense comme toi. Oui, parce que ça fout une merde intersidérale. Et après non, je me prends la courge pour oui, savoir ce qu'il y a à moi, ce que je reverrai, etc. Tu mets en banque. Exactement. Mais c'est de la merde. T'as qu'à avoir une maison avec des coffres. Je ne suis pas riche, moi. Mais non, t'as bien fait, Agnar, t'inquiète. Oh là là. Non, mais je veux pas de traitement de faveur. Pas de traitement de faveur. Tu sais, non, mais elle me fatigue. Ne réponds pas, c'est... Ouais, c'est vrai. Non, je sais même pas pourquoi je réponds. Elle est fatigante. Oh. Mais moi j'ai abandonné, hein. Tu sais, à un moment donné, faut lâcher l'affaire. Hein. Elle est pénible, la petite. Non, mais c'est bien d'y aller petit à petit. Quand tu sais pas faire, genre quand tu... Oui, c'est vrai. Tu démarres un nouveau métier, quoi, que tu sais pas faire. On te donne
on te donne des petites choses à faire faciles au début, tu vois. De l'event active. Oui, oui, t'inquiète pas, 60 minutes. Oui, étends-toi un peu du type, hein, c'est, t'inquiète pas. Par contre, faudrait que je croque quelqu'un. Ah, ça, on va... Oh, croque-moi, croque-moi, croque-moi. Mais non, je s'il te plaît. Mais non, s'il te plaît. Bon, déjà, je vais pas te croquer. Parce que, voilà, je croque pas comme ça. Oh putain, un tank, c'est pas vampire. Allez, on y va. Voilà. Attends. Ah, il était de dos. Oh, désolé. Ah, oh, vous êtes des brutes. Vas-y, passe devant. Passe devant, passe devant. Vous êtes vraiment, mais, des brutes, je vous dis. T'es à combien de niveau de vampire? Et merde. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, Joel Charlot, quoi. Mais casse-toi. Parce que au moment où j'ai pris mon niveau, au moment où je voulais appuyer, voilà. D'accord. Attends, est-ce que je peux te croquer? Bah non, bon, bah laisse tomber, il était pas de dos. Tuez-les. Non mais c'est mieux les civils. Tu préfères les civils, toi? Ah oui. Les coffres en housing, tellement pratique. Oui, je sais. Ah oui. Ça, je confirme, les coffres, mon dieu, mais quelle bénédiction. Il croque pas le premier soir. Je ne suis pas un vampire facile. Sinon, t'as combien de vampirisme? Eh ben, je vais te dire. Non, mais tu l'as en bas, à droite. 1. Ah, il faut que tu croques deux fois. Ben, c'est ce que je suis en train de te dire, je viens de le constater. Parce que quand j'ai regardé, quand on m'a dit pour la chopine de Breda, ben... Comme t'as le pare-chausse. Et au-dessus, t'as le vampirisme, ben du coup, wali walou. On va aller... Il faut qu'on aille en ville pour rendre la quête de l'antre. Ah. Ah, bah on va en ville. Autant profiter. Ouais. L'oratoire de la cité creuse. Bah c'est... oui, vous allez-y, hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Ouais. Cherche la prochaine destination. Normalement, c'est pas plus tu te nourris pas et plus tu deviens puissant. Il faut... Il y a un équilibre, en fait. C'est ce que m'expliquait Falcat. Non, non, plus le vampirisme, plus tu te nourris, plus tu montes de level, plus tu montes de level de vampirisme, plus tu fais de dégâts, mais moins tu as de régène de santé. Et au niveau 4, tu as plus du tout de régène de santé. Il n'y a qu'au niveau 5, mais c'est un choix que tu as à faire dans tes compétences, où tu as tous les bonus sans les malus. Et après, il y a différents sets. Ouais, mais moi, il faut que je monte jusqu'à 2. 3. Ah bon? Oui. 3, ça va pas poser de problème, c'est à 4. Ouais, c'est à 4. C'est ça. Attends, est-ce que je pourrais pas le crocouner? Oh putain, faut que je trouve un civil. Je vais te voir croquer quelqu'un. Bah écoute, pas de problème, mais le problème, c'est que. Ouais, parler. Putain, mais y a pas un charlot là, dans le coin? Y'a pas un étage ici? Ah, y'a peut-être un étage. Ah! Là, la petite. Elle. Ouais, attends. Je vais me décaler. Ah, on peut que lui parler? Merde. Bah oui, mais elle est nommée, cette bourrique. Peut-être parce que. Eh oui. Eh ouais, faut trouver quelqu'un qui a un aura blanc, non? Ouais, je crois aussi. Tu vas voir qu'on va trouver personne ici. Non, laisse tomber. Non. Faut aller dans la ville. Le level 5, quelqu'un. Les PNJ t'attaquent aussi, je crois. Non, je crois que t'es un... Non. Non, non, ils t'attaquent pas, mais les marchands ne veulent plus te vendre ou te parler, donc... C'est à partir du niveau 4, les marchands ne te parlent plus. Ouais, elle est nommée, donc on laisse tomber. Oh, putain. On va trouver. Ouais, on va trouver. Ah, t'es parti à droite? Bah, et toi, à gauche? Ouais, mais... Je suis pas parti à gauche, en fait. Mais continue, je te laisse monter et moi je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un dans les petites rues. Si vous avez rendu la quête, tapez-vous sur moi. Ah, il y a plus simple. Ouais, il y a plus simple. Oui, oui. Ah, oui. Ouais, bon. Oui, oui. Allez, on y va. Let's go. Hop là. T'abandonnes? Aucun lieu de correct n'a été trouvé? Comment ça? Non, non, là, maintenant. Là, vous pouvez vous taper. D'accord. Bah, c'est good, en cours. Quel délice de crocouner les gens. Oh, c'est trop bien. Miam, 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 miam. Ah bah ici, parfait.
Attends, Julie, elle va râler après. Ouais, elle va pas râler, j'en ai pour 2 minutes. Voilà, miam. Tu as lui. Par contre, tu as le garde. Où ça? Juste à côté. Mais Franck, je voulais te voir croquer quelqu'un. Voilà, ça y est. Elle mais râle. Franck. Mais viens, regarde. Mais Franck. Tu le vois le garde hein? Voilà. Non, non. Non, mais là, il y a trop de civils. Non, non, pas, tu peux pas les garder. Bah, lui, c'est pas un garde, si? Non, mais il faut qu'il y ait personne. Bah, là, par exemple. Mais non, mais tu as du monde autour. Oh, bah, on va chercher ailleurs. Bah, oui, tu vas te prendre une prime de fou. Oh, ça va, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Suis-moi, suis-moi. Qu'est-ce que vous avez fait, machin, truc? Il y a un princesse là, regarde. Il y a un pêcheur là. Trop bien. Voilà, allez, hop. Ma petite dame, bougez plus. Tu vas donc. Attends, Falca, tu peux bouger ton ours parce que. Ouais, et ça te fait rien? Non, j'ai voilà la tire. Mais c'est normal, c'est un personnage nommé, je peux pas la croquer. Non, non, mais pourtant elle est en aura blanche. Tu vas plus loin. T'es sûr? Oui. Ah ouais. Oui. Et voilà. Oh. Et non, on peut voler. Je suis un peu jalouse quand même. Ouais. Je trouve ça un peu. Tu sais, c'est puissant. Fais un reroll. De passion. Fais un reroll de PS. Mais toutes les Julie râlent en fait. Oh non, il a croqué un Khajiit. Bouffe des argosiens, Osef. Je fais pas de Allez. Différence, tu sais. Moi, je suis pas dans la discrimination. Khajiit, argonien, humain. Tu croques, quoi. Par contre, si tu fais un DPS magie, Julie, il y a moyen que tu fasses soit un orc, soit un Khajiit. J'ai déjà un DPS magie. Oui, mais il est pas vampire. Non. En effet. La femme de chambre argonienne. Je trouve les elfes très bons à croquer. Oui, mais pas les elfes, c'est des bois. Tu manges pas les elfes des bois. Ça a l'air chiant. Hein. Ça a l'air chiant d'être vampire. non. Un DPS, non. Je t'assure. Bah, après. J'ai pas tout le truc à gérer, des niveaux et tout. Ben, en fait, toutes les 2 heures, tu perds un level. De vampirisme. Il y a une question pour toi, Falcat. Attends. Falcat, Breton, vampire, c'est bien aussi? Non. Enfin, oui, mais oui et non. Oui, parce que tu... Parce que tu as beaucoup de magie, mais non, parce que tu n'as pas de bonus de dégâts et tu n'as pas de bonus de vie. Les Khajiit, c'est de mémoire, ils ont un bonus de vie. C'est ce qui est intéressant. Comme les orques. Donc ça te permet d'un peu compenser. On est revenu à Vardenfell pour décrafter, je suppose. Ouais. Yavol. Et si on te faisait prendre ton dernier level? Bah, je sais pas. C'est vrai? Bah, il me manque pas mal quand même. Hein. Il faut que j'aille jusqu'à 187 000 et j'ai déjà 24 000. Après, on peut si bourrer on fait certaines donjon zones. Journalier. Tu veux dire les deux donjons, si on fait le donjon journalier. Ah oui, le donjon journalier. Ouais, je pense que c'est faisable. Mais à 3, on pourra pas le faire. Oh, mais regarde, il y en a un sur le chat qui nous rejoint et puis voilà. Ah ouais, s'il y a quelqu'un qui est motivé. J'ai 32 cristaux. Non. Il nous faut n'importe qui. N'importe qui, on s'adapte. Falcat et moi, on s'adapte. Moi, je suis obligé de rester comme tel. C'est ça. Nice. Ah, ok. Merci. Allez, viens. Taralin, merci beaucoup. Ça y est, les 1 an. Merci pour ces moments, Franck. Bon, c'est adorable. Merci, merci à toi. Merci pour ton soutien et bonne année surtout. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes, ma poule. Motivé, mais pas devant mon PC. Je peux venir en DPS et pas en troll tant que Julie. Bah, il y a Jean Bonneau qui peut venir en DPS. Allez, viens. Est-ce que t'es dans la guilde? Je sais pas si t'es dans la guilde. Oui, mais je vais pas garder le bâton de rétablissement si on fait le donjon journalier, les enfants. Si, si. T'es sûr, Falcat? Ah. Oui, oui. Bon, j'ai un peu peur, mais ok.
Il y a Mickaël qui voulait nous rejoindre aussi. On m'avait dit. Pas comme vous voulez, les enfants. Hein. Peu importe. C'est toi qui décides, hein, Julie. Bah, on a déjà joué comme. Enfin, on a déjà invité Mickaël, non y a la fois dernière lives. Ouais. Désolé, Mickaël, on fait tourner un peu. Ça va être compliqué pour moi, je suis niveau 3 sur PC. Oui, mais tu. T'inquiète pas, tu vas prendre ton temps. Vous allez pas avoir assez de place pour tous les volontaires. Ah oui, ça c'est sûr. Pas de problème, merci Mika. Merci beaucoup. Désolé Mika. Une prochaine fois, promis. Je vais peut-être reprendre un peu de bouffe. Ok. Je suis opérationnel. J'étais dans la guilde, mais à coup de pas. Ah bah, si un autre veut y aller, bah Mickaël. Si Mickaël peut nous rejoindre. Faudrait que je rejoue au jeu, ça fait longtemps que je n'ai plus lancé, mais jouer tout seul, c'est pas très drôle. Moi, ça me dérange pas, perso, tu vois. Meilleure monture. Il y a de la place en groupe de raid par contre. C'est pas pareil ça. Ouais, ça c'est pas pareil. Il y a de la place. Oui et non. Hein. Quand tu as tous les habitués, il n'en reste plus qu'une. Hein. Du coup, ouais, il faut que tu bascules, Franck. Tu vas basculer. Tu vas basculer, ça a coupé ma poule. Il. Bah je suis en il. Non. Bah si, ton j'ai tag. Ton tag en il. Ah pardon, excuse-moi. Je crois que tu parlais en... D'accord. Ton tag en il et tu vas... Attends, wait. Comment on fait déjà pour basculer le tag, putain. Groupe. Tu vas dans P. Ouais. Sur P, c'est en dessous de rôle. T'as juste à cliquer. Suite du milieu. Bah oui, mais je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Bien sûr que si. Bah, vous allez dans groupe et recherche d'activité, on est d'accord. Ah, c'est bon. Non, c'est bon, fait. Mais je comprends pas pourquoi on pourrait pas le faire sur notre perso directement sur la ligne. Parce que c'est comme ça. Ouais, mais ça aurait été plus simple. Et soin généralisé, tu vas nous le spammer. Alors attends, c'est lequel, soin généralisé? Deux secondes. Soin généralisé, ouais, d'accord. Ouais. Et régénération si tu as aussi. Oui, si, si, je l'ai, de régénération de niveau 4 plus exactement. Voilà. Oh, attends. Je vais caler un truc, c'est 6 fonds de force. Parce que je peux le débloquer et je vais le mettre... Voilà, comme ça, ça montera encore plus vite le bâton. C'est good pour moi. Venez faire affaire ici. C'est bon pour toi, Mickaël ? Bon, avec le délai et tout ça... On parle de refaire le Sanctum Ophidia en guide, si ça intéresse des gens. Ah ouais, en 12, oui. 6 fonds de force, Mickaël, je préfère 8 perso. Allez, let's go. Badam, badam, badam. Franck. Bah oui, j'ai validé. Bah, j'y peux rien moi après si je suis pas. Je travaille pas chez Zenimax. Ah, allez, c'est ouf. Je vais ça. Ça va être dépeinte. Qu'est-ce qu'on va se marrer? Bon, oh, tu peux foncer. Hein. Tout le monde a la quête? Je crois qu'il y a Mickaël qui va faire la quête. C'est bon, je l'ai prise. Enfin, Mika l'a prise et du coup j'ai validé pour moi. Ok.
attends. Ah bah oui, c'est sûr que c'est pas la même, hein. Il y a un méchant derrière. Ouais. Bonne nuit, notre, des gros bisous. Il y a un autre méchant. Bonne nuit. Là. On peut même faire le cacher là. Ok. Ouais, ça marche. Pensez à associer les objets, hein. Ouais, il y a des méchants sur le côté. Salut Zenwang, merci beaucoup pour le follow et j'espère que tu vas bien. Appelez ça la douleur, c'est un euphémisme. Faites flamber ça sur le côté. Ah non, c'est... D'accord. Oh ouais, c'est normal, c'est dans... C'est la version 2 que tu dois activer les stades. Il veut pas prendre l'aggro. Ah. Bienvenue dans mon univers. Âme tourmentée des morts, levez-vous et tuez ces intrus. Des morts, levez-vous et tuez ces intrus. Oh, le homme du sergent. Évidemment, je l'ai. Ouais, mais là, je crois qu'on a tout. Hein. Ah, attendez, il y a. Pour la quête. Vous arrivez juste à temps. Encore 5000 garons. Soyez remerciés. Ok. Parle au monsieur. Ah. Il disait attraper le joli. Oui. Et il y aura un coffre après. À la fin. Ok. D'abord c'est noble et maintenant des crétins comme vous. Tu cours vous comme ça. Tu cours où comme ça. T'énerve pas. Sérieux. Pas bon pour le cœur. Venez à moi, les serviteurs. Voilà. Et le coffre il est ici. Normalement, de mémoire, sous la petite tente, il y a un livre, si vous l'avez pas. De mémoire. Hein. Mais je l'avais déjà fait avec ce perso, je crois. Mais en même temps, j'avais pas la quête, c'est bizarre. Et il y a des méchants. Ouais. Derrière.
Attrapez-les, mes jolis. Ok. Attendez, on peut associer ? Non, c'est bon pour moi. Juste pour être sûr, Franck, t'as bien la chopine d'activer ainsi que le parchemin ? Oui. Parfait. Oui, non, mais j'ai tout. Comme j'ai l'œil sur le compteur, t'inquiète pas. Bonne nuit, Sylvana. Des gros bisous. Bonne nuit. Bonne nuit, Sylvana. Let's go. Ne nous vaincrez jamais ! Par le flanc ! Non, jamais. Je sais même pas pourquoi je m'emmerde à regarder le loot du sergent parce que je crois que j'ai tout. Édition Blackwood. Ouais, pas collector. J'ai une amie qui serait prête à prendre Tezo. Vous avez un pack à recommander ? Bah voilà. Blackwood. Bah oui, c'est ce que disait Siegfried. Donc. Ça clôt. Yep. On n'est pas bien là, Tintin ? Oh bah oui, on est bien. On est bien là. Je ne peux pas vous laisser vagabonder à votre guise. Sachez Let's go. Que ce fut Varenne Pellingar qui mit un terme à votre vie. Je bug. Ah ouais, ouais là, je bug complètement. C'est pas... Je crois que ça revient. C'est bon ? Okay. Ouais, c'est bon. Elle est en promo en ce moment, il me semble. Je crois aussi, ouais. On dirait qu'il va falloir creuser d'autres tuages. Brûle ça ! Soignez-moi ! Par le flanc ! Maintenant ! Bon, bah ça se nettoie rapidement, donc ça va. Oui, oui j'ai eu la collector pour une vingtaine d'euros. Oh bah ça les vaut hein. J'ai besoin de soins. Oui autant avoir tout là. Parce que je crois que si tu prends Blackwood, t'as tout là. Je t'aurais dit de mémoire oui mais faudrait vérifier. Ouais faudrait vérifier. Autant prendre mais... les eaux plus. Mais t'es obligé de prendre Blackwood si tu veux si tu prends les eaux plus. C'est ça. C'est exactement ça. Donc Ezo plus Blackwood. Wow. Après, mais, c'est. Vaut mieux attendre en de soi. Savoir si elle aime le jeu. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que. Ezo plus, c'est plus un truc de confort. Hein. Oui. Après, c'est surtout pour les gros joueurs. Hein. Moi, je le dirais même mieux. Tu as tous les chapitres, mais pas les DLC. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh, ça va, ça vaut le coup quand même. Enflammez-moi ça. Il y a Somerset, Greymoor et Elsewhere, en plus, il me semble. Ouais, des extensions. Et après, la prochaine, ben, on va bientôt savoir. Hein. Mm-hmm. Chargé.
Et ça court. Ouais. Grand à l'œil, hein. D'habitude. Ouais, mais planqué sous la table, je t'avoue que là, c'était, il y avait une forme de vis. Hein. Bonne nuit, Julien. Des gros bisous. Voilà, bonne putain. Nuit. Levé à 6h, bon courage. Hein. On dirait que vous êtes perdu. Je ne sais pas. Oui. Yeah. Ah. Y a quoi d'autre? Normalement c'est bon. Y a notre débile qui va pour le milieu. Et si un tel jeu pour 20 balles, c'est pas un gros risque. Ah ouais, donc clairement. Ah mais c'est surtout qu'en plus tu peux faire si tu as toutes les extensions, même sans le DLC, t'as de quoi faire. Hein. Arrêter de disparaître, c'est trop chiant. C'est relou, hein. Oh. Ça y est, regardez, voilà. Niveau 50. GG. Parfait. GG. Ah bah ça fait plaisir, hein. Vie. Ma pauvre fille, pourquoi as-tu fait cela? Et bâton de rétablissement niveau 40. Bien. Oh non de Dieu. Il va falloir le bosser un petit peu et ça. Ah, coffre. Attends. Oui, ici. Wait. Notre enquête ne. Les Pellingar sont l'une des familles. Alors. Coffre. Where? Là. Au niveau du bateau, ouais. Au niveau du bateau. Ah non, là, là, derrière, là. Là, là. Là, ah là. Oui, d'accord. Là, bah là. Oui, mais ils ont tous la même gueule. Là. Et l'autre, il était caca. Pas pour moi. Attends. Et c'est ouvert. Et voilà. Merci. Bah, des radars, avec plaisir. Et bah, ah, enfin. J'ai jeté des trucs que j'avais pas quand même. Ah. Ah, un truc de pêche. Des bisous, mon cher Julien. Des gros gros bisous. Repose-toi bonne bien. Nuit. Et bonne année à toi, bien sûr. À 7€ le jeu de base, déjà pour se faire un avis, t'as plusieurs mois de jeu. Ah, t'as oui. Quoi faire, ah, oui, oui, déjà, ouais, clairement. Eh ben, putain. On y sera arrivé. Oh, bah, au final, oui. Ah, bah, mon bâton de rétablissement est monté à 43. Hmm. Super. Ah ouais, ça fait c'est plaisir. Ça fait plaisir. Attends, J'ai déjà Mickaël. Merci beaucoup. C'est pas Mickaël. Mickaël, il est chaud. Bah si. Mickaël, il a mis dans la... Ah. Dans la... cuirasse du sergent. Ah, moi, est-ce que ça t'intéresse? Attends, Mickaël. Tu... Alors, j'ai dedans, il est pas dégueu, au final. Ah, que te donne Ezo Plus? Ezo Plus, ça te permet par exemple d'avoir l'inventaire. D'accord? Tout ce qui est matériel, ben, ça ne pèse rien dans ton sac. D'accord? Après, ça te donne accès à... Oh putain, non, c'est pas ce que je voulais. Autant pour moi. En fait, quand je dis c'est de confort, parce que justement tout ce qui est ici, tu vois, par exemple le matériel comme le jasmin, ce que tu vas looter comme minerai, etc., ne pèse rien. Ça ne pèse que dalle. Alors que si tu n'as pas ESO+, c'est comptabilisé comme un poids.
Voilà, le sac d'artisanat. Sauf le dernier. Le sac artisanat illimité, la base et tous les DLC. Merci. J'ai sauf, résumé. Sauf le dernier. Ouais. Sauf le dernier, effectivement. Ça donc, fait plaisir. Au lieu d'avoir 3 ans et 6 mois de jeu, ben, avec le ISO Plus. T'as 10 ans. Tu as 3 ans. Bon, on peut bouger. On peut se casser, ouais. On arrête le live ici. Ouais, on décrafté, c'est bon. Je suis d'accord. Hein. Merci beaucoup, Mickaël. En tout cas, merci beaucoup, Mickaël, pour ta participation. C'est sympa qu'il y ait toujours quelqu'un à dépanner quand on veut faire le donjon journalier. Ouais, clairement. Je suis hésitant. Il est très chill en plus, ça. Les éboulades, tout voit. Très très chill. Oui. Bah en même temps, après, on souffre pas trop à le te voir. Après, comme je disais, la rage est dedans. Quand tu regardes bien, c'est pas dégueulasse hein, pour un DPS. Pour un DPS magie ? Vigueur. Ah, vigueur. D'accord. Non, mais pour du PVE, hein. Oui. Pas du PVP. Attends, parce que le temps de tout décrafter, Dieu sait qu'il y en a du merdier à chaque fois. Sans compter le merdier que j'ai mis dans ma banque. On se demande pourquoi. Ben, pour le décrafter. Merci Mika, j'aime pas les rats d'égout. Je t'avoue que les égouts d'Altevoix... Moi perso, je traîne la patoune. Hein. Oh, c'est rigolo. Ouais, mais on l'a tellement fait aussi. Il y en a des plus sympas quand même. Ouais, mais ça va vite. Oui. Voilà, ça c'est fait. Ah, mais attends, je l'ai en... La paix de l'esprit. Tu me l'as crafté le 50 en plus, je crois. Ah non. Pas du tout. Non mais je peux tout virer de ma banque. De quoi ? Faudra tout que tu recraftes, oui, puisque ce que t'as eu... Quoique ce que je t'ai donné, c'est déjà en 160. Donc à la limite, il n'y a que le trait à changer. Non. Bah non, je les décrafte. Il était pas en... Oui, ça vaut plus le coup. Ça vaut plus le coup de les recrafter. Non, il vaut mieux les crafter, hein. C'est affiché. Ah oui, il vaut mieux les recrafter. Ah oui, entre 50 cristaux pour les recrafter et 30 et quelques... Non, entre 50 cristaux pour changer le trait et 30 et quelques pour les recrafter, voilà. Voilà, il vaut mieux recrafter. C'est ouais. Clairement établi. Ah oui, c'est affiché. Bon, je vais continuer à remplir la banque de guilde. Ça va bien se passer. Elle est pleine. Écoute, il vaut mieux ça que l'inverse, hein. Oh oui. Je vais regarder avec mon main s'il n'y a pas 400... des recettes ou quoi que j'ai pas. 456 sur 500. Barrel, les donjons sont divisés en 3 niveaux. Tu as 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. 1 étoile étant facile et 3 étoiles étant difficile. Ouais, et plus... En fait, plus tu avances dans le temps de sortie des DLC ou des extensions, et plus c'est difficile. Par exemple, la villa du dragon rouge. Putain. Noir. Villa du dragon noir. Jour. Il est noir ? Il est pas rouge ? Je crois, ouais. Je suis pas sûr. C'est ce qu'on dit. C'est un 3 étoiles, c'est-à-dire qui est censé être dur. Pourtant, c'est le plus dur du jeu. Alors que tu vas avoir des 3 étoiles qui seront beaucoup plus abordables. En fait, ça dépend. Nous, on arrive à passer Mazatoun en vétéran. Et la dernière fois, on s'est fait défoncer sur un 3 étoiles, pareil.
qui était censé être du même niveau, mais ouais, qui mais il y avait quand même un putain de fossé. Hein. Ah oui. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Il y a quand même. C'était un peu exagéré à mon goût, mais bon. Faut qu'ils attribuent les 4 étoiles maintenant. Faut passer au rang supérieur. Ouais, faut passer au rang supérieur. Ou alors qu'ils fassent des levels intermédiaires. Enfin, un level intermédiaire. Eh ouais, il est noir le dragon. Bah, tu vois, il aurait dû être rouge. Je trouve que c'est plus stylé un dragon. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Mais ça devrait. Oui, ben non. Tac, tac, tac. Tac. L'étreinte du crépuscule et le homme de la fureur de l'aigle. Oh putain. Il y a tant d'étrangers. Bah, je passe en 46, oh, hein, mais bon, en attendant quoi. Dans la banque de guilde de Franck, il y avait une recette de lit rouge garde que je ne connaissais pas. Ouais. Peut-être que pour la maison, ce sera sympa. C'est peut-être un joli lit. Eh ben écoute, ça peut être même plutôt agréable. Oui. Ça va, Falca, t'as pas envie de vomir ? Deux. De toute cette mièvrerie ? Non, non, je me suis habitué, force à force. Mmh. 2022, l'année de l'habitude. C'est ça. Ce que tu m'avais crafté en 36, je peux le décrafter maintenant. Ah oui, même le 46, hein. Ouais, mais je l'ai stuffé parce que j'ai pas de. Après, j'ai plus d'armure. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, la prochaine c'est fois d'entrée en. Oui, je sais, on va s'occuper du 7, mais bon. Dans le but. Non, tu peux décrafter. Hein. Clairement. Tu veux que je me laisse à poil ? Ah oui. Ça sert à rien. Bon. Bah écoute. Poil. Ah bah, va pour être à poil. Il y a quelques recettes que je connais pas. Hein. Bah tu fais comme beaucoup, hein. Tu passes, tu regardes ce qu'il y a. Oui, c'est ce que je fais. Ça fait plaisir d'avoir des recettes qu'on connaît pas. Je comprends mieux pourquoi à Vardenfell on s'est fait éclater au niveau 20 avec mon ancien groupe. On devrait pouvoir les repeindre. Dragon rose sinon. Votre guide recrute toujours ? Mais bien sûr Ragnar. On n'a jamais dit qu'on recrutait plus. Hein. Ça reste une guilde sociale, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de. Voilà. Il y a juste un changement dans les règles. Oui, bon. Depuis peu de temps. C'est-à-dire qu'il y aura. Il y a maintenant une phase d'observation. Ça marche, Michael. Il y a un fit intégré, Falcat. Viens dans la guilde. Et hop là. Un petit champ de bataille. Non, je rigole. C'est trop tard, hein. J'ai plus d'armure moi. C'est fini, là je suis en slip. Hein. Donc, la sécurité, si tu veux que je me fasse savater violemment la bouche. Tu prends ton elfe. Mais en champ de bataille, mon elfe elle est bonne en PVE, pas en PVP ma pêche. Ouais, alors je vais se faire éclater la gueule. Ah là, c'était sûr que je vais me faire pouler les gencives violemment, quoi. Bah, après, samedi soir, en plus. Bah tiens, ce que je te propose, princesse. On peut essayer de s'amuser à toucher à l'elfe, à mon elfette, et on lui fait un petit truc PVP. Mais non, t'as super pour le PVP. Non, mais ce que je veux dire, c'est que rien ne m'empêche, si elle a envie qu'on s'amuse un peu, il y a celui-ci pour le PVP, je suis d'accord avec toi. Mais je voulais jamais qu'on aille en champ de bataille. Parce qu'il était pas haut level. Parce que j'ai pas envie de me faire défoncer en allemand. Est-ce que tu comprends l'idée de se faire défoncer en allemand ? J'aime ça mon peut cul. Être agréable, tu sais, si c'est bien fait. Si c'est fait propre. Non merci madame. Avec beaucoup de lubrifiant. On va couper Merci à tous d'être venus. Hein, j'ai pas fini de décrafter. Une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne année.
La morale. N'oubliez pas que Edreda, la chaîne Edreda. Exactement. N'hésitez pas à follow. Et puis surtout. Ah merde, avec vos conneries, je fais des conneries. Oh putain. Mais moi je dis pas des conneries, hein. Mais si, parce que je vous écoute en même temps, et du coup j'ai un tel merdier à vider dans la banque que j'en perds la boule. Pas les 7 de monstre. Mais je suis pas en train de virer les 7 de monstre. Je suis obligé de virer des trucs parce que j'ai un bordel incommensurable là-dedans. Quand il faut que tu quittes le groupe après. C'est pas pareil, Philo Mars. Moi, je suis une fondatrice. Oh là là, putain, le bordel que j'ai. Oh. Une armure en cuir. Bah, le cuir, c'est toujours bien. Le cuir. Bah, bien sûr, le cuir. Toujours très très bien. Et après, on lui fera. Une fois qu'on aura stuff, on lui fera un petit style quand même. Oui, parce que la dernière fois j'ai regardé, mais. Ah, vous m'accordez 2 minutes, j'arrive. Heureux les enfants. Écoutez, désolé pour la pause. Alors je finis juste de décrafter rapidement les choses. On en a ramassé encore du merdier. Hein. On est quand même spécialisé dans le truc. Hein. De Zeus, de nom de Zeus. Je sais même pas ce que j'ai en fait. Je sais même plus ce que j'ai à force. J'espère que tout va bien. Oui, oui, bah, y a pas de souci. Vous inquiétez pas. Mais c'est très gentil, Agnar. C'est très gentil de t'inquiéter. La poche ça devrait être obligatoire une fois par Soraya. Je pense que ça va être le cas pendant plusieurs semaines. Mon cher Marc, mais tu découvriras ça. Non, tu sais quoi? Je vais te laisser le plaisir de découvrir dans le temps. Tu verras. On se marre. Ouais, je vérifie vite fait. Ouais, le reste, je le virerai au coup par coup. Ouais, je pense. Je ferai les anneaux une autre fois. Rien ne se perd, tout se décraft. Exactement. Eh ben écoutez les loulous, nous on va s'arrêter là-dessus, comme le disait Falcat avant que je sois obligé de mettre en pause. Merci Falcat, merci beaucoup Princesse pour la partie, c'était vraiment très très chouette, c'était vraiment très cool. Merci. Surtout gardez bien à l'esprit que... Merci à vous, franchement c'était cool. Et surtout n'oubliez pas que la semaine prochaine en plus sur Tezo, ben, on va faire l'entièreté du set. Ouais. Et on va bien se marrer. Ouais. ça c'est du. Et après. Ça c'est un sarcasme. Ça veut dire qu'on va bien se prendre la courge. Ça va être top. Non, le tien ça va très vite fait. C'est celui de Gavard qui va être un peu plus compliqué, je pense. Ouais. Enfin bon, encore oui, c'est vrai. Le mien est un peu est moins complexe, c'est vrai. Mais bon, il y a quand même du boulot, qu'on le veuille ou non. Bon, en tout cas, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour vos soutiens respectifs, bien évidemment. Des gros bisous. On se retrouve demain pour une découverte sur Motorton Behind the Wild. Attention, jeu de voiture qui a un côté un peu simulation, mais ne vous fiez pas au graphisme si vous allez jeter un coup d'œil au titre. Il est surprenant. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Des gros bisous à tous. Ciao les canards. Gros bisous. Ciao.